Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts. Vous êtes ciblés? Vous êtes ciblés? Est-ce que vous êtes ciblés? Ce soir, mesdames et messieurs, ce soir, le Senju Fight All Star. All Star, mesdames et messieurs, on vous a concocté des équipes de tarés qui vont s'affronter de partout, de tous les horizons, de tous les univers, de tous les villages, mesdames et messieurs, de toutes les contrées, des gens qui possèdent certains pouvoirs que d'autres ne connaissent même pas. Et vous allez pouvoir les supporter aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur le chat, vous allez pouvoir les supporter. On vous a mis dans les tribunes des drapeaux de chaque équipe, de chaque pays, de chaque manga. Oui, mesdames et messieurs. Ce soir, on va voir qui est qui. On va voir qui est qui. Vous en doutez bien, il va y avoir un arbre de tournoi et on va dévoiler chaque équipe au fur et à mesure. Il n'y aura pas de triche. Tout a été vérifié par des huissiers. Donc on aura, je vais vous faire l'annonce des équipes très très bientôt, le reveal des équipes très très bientôt qui arrive. Je vous ferai aussi le reveal de l'arbre du tournoi. L'arbre du tournoi qui va être confectionné sous vos yeux. Donc, ça va être incroyable, mesdames et messieurs. Ça va être incroyable. Préparez-vous. Je sais qu'il y a des fans qui viennent partout. Et d'ailleurs, en parlant de vous, mesdames et messieurs, encore vous, vous pouvez réagir sur le hashtag Senju Fight. Senju Fight. Évidemment, Senju Hashirama qui avait remporté le dernier, qui avait annoncé sa retraite. On s'en rappelle, c'était incroyable à l'issue d'un combat étincelant, étincelant, d'une domination totale face à Madara du clan Uchiwa. On s'en rappelle comme si c'était hier. Et il a donné son nom à cet événement, bien sûr, l'un des plus grands combattants que l'on connaisse. Bien sûr, réagissez sur le hashtag Senju Fight. Dites-nous pour qui vous êtes. Mais vous allez me dire, mais Kamel, on ne sait pas pour qui va jouer. Donc. Ça arrive, mesdames et messieurs, ça arrive, mesdames et messieurs. Je vais aller voir si mes analystes sont là, si mes commentateurs sont là, si tout le monde est là. Ouais, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Ouais, bonsoir, ouais, 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 bonsoir, ouais, bonsoir, 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 bonsoir. bienvenue. J'espère que vous êtes prêts, mesdames et messieurs, parce que Bien là, sûr, bien sûr. on a parlé avec les combattants, on vous a organisé une carte de taré, un tournoi de taré. Un tournoi de fous, des personnages d'anthologie ont accepté de participer à cette compétition. Tout le monde a envie de prouver que chez eux, c'est les meilleurs. Et ça ne va pas être comme le premier Senju Fight. Aujourd'hui, ça va se jouer en équipe. Et on sait que le combat d'équipe, il peut y avoir des facilités avec certaines synergies d'équipe. Et aussi, certaines fois, tu as des personnages qui ont un peu plus d'ego que d'autres, qui vont pas laisser leurs camarades entrer dans le combat. Et donc, ça peut créer de la discorde. Donc, ça va être exceptionnel, exceptionnel. Tout d'abord, comment allez-vous, messieurs? Ah, très bien, très bien. J'avais attendu avec impatience ce Senju Fight. Et quelle édition, quelle Impatient, édition, quelle édition, quelle édition. La dernière fois, on s'était focalisé sur le monde. Sur le monde des ninjas, on est parti chez eux. On a été très bien accueillis d'ailleurs par tous les villages. Hein. Je ah, remercie ça fait le du bien, village Konoha. de Suna pour leur couscous. Il était vraiment très, 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 très... Il était vraiment très, très bon. On nous a bien régalé en loge. Et aujourd'hui, on va avoir droit à un peu des combattants de partout, partout dans le monde. Donc n'hésitez pas, hashtag SenjuFight. Il faut que ce soit premier en tendance. Il faut que ce soit premier en tendance. Si vous défendez Jojo, peut-être qu'ils seront là. Si vous demandez One Piece, le FC One Piece, on veut vous entendre. On sait que vous êtes nombreux. Vous nous avez demandé beaucoup de Senju Fight chez vous. On sait que vous êtes là. Le FC Naruto, le monde des ninjas, on sait que vous êtes là. Vous nous avez déjà prouvé lors du dernier Senju Fight. Le FC Dragon Ball Z, je sais que vous êtes là. Je sais, je le sais, je le sais. Je le sais, mesdames et messieurs, le FC Universel, je le sais que vous êtes là. Et Les ça va être Shinigami qui incroyable. sont Ça parmi va nous être aussi. incroyable. Eh Les Shinigami, ouais, les les Shinigami. Oh futurs. là là. Les futurs héros aussi peuvent être là. On a aussi, je sais qu'il y a Pas mal. certains, il y a certains hunters parmi vous. Oh. Oh Il y là a là. certains hunters parmi vous. Donc voilà, on vous a regroupé la crème de la crème. C'est Konoha Côté. Namek, ça en parle de ce Senju Fight, hein, les amis. Exactement, Ah, exactement. on en parle comme la coupe des univers.
J'espère que vous avez regardé votre astrologie aussi. Ah oui. Et j'espère que vous avez bien mélangé les cartes. Clairement. Aujourd'hui, si mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire la présentation des équipes? Bien entendu. Bien évidemment. Est-ce qu'on a un visuel, par exemple, ou quelque chose ou Je demande à la régie, attendez. Ok, c'est très bien, c'est très bien. De toute façon, même si on n'a pas de visuel, ici, on veut voir du combat. On veut pas avoir des dessins, on veut voir du combat. Du combat, de la bagarre. De la bagarre. On a déjà eu un très, très beau visuel en guise de trailer. Ah, tu veux pas le montrer? On peut le remontrer pour une fois. On peut le remontrer, ok. Ok, parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver, bien évidemment. Si vous n'avez pas vu ce trailer, il est passé sur toutes les télés, sur la chaîne Namek TV, la chaîne Konoha TV, c'est passé partout. Même la Kaiba Corp nous a grandement aidé. La KC nous a grandement aidé à diffuser ça partout. Les Hunters qui ont eu ça sur leur tablette, on va vous envoyer ça tout de suite, mesdames et messieurs. Si vous l'avez raté, c'est maintenant. Senju Fight, mesdames et messieurs. Quand je dis Senju, vous dites Fight. Fight. Senju. Fight. Senju. Fight. Senju. Fight. Fighter. Oui, mesdames et messieurs, Senju Fight ce soir, bien évidemment. Ok, on va commencer avec la présentation des équipes. Bien évidemment, on est parti sonder dans tous les univers, toutes les planètes. On est parti sonder les équipes de là-bas pour nous constituer une équipe. On nous a proposé des combattants plutôt maléfiques, des combattants plutôt héroïques. On a fait un mix des deux. On a fait un mix des deux, mesdames et messieurs. Et on va commencer par la première équipe. C'est moi, 2 secondes, je reprends juste mon calepin. Une équipe. Visuel qui arrive entre temps, mais bien exactement, sûr, le visuel qui arrive. Ok, très très bien, très très bien. Je vais présenter les premières équipes et le visuel arrivera pour... La première équipe, mesdames et messieurs, on va commencer. Je sais que vous êtes nombreux dans le chat avec le FC. Dragon Ball, mesdames et messieurs, on est parti dans l'univers 7 et on est parti sonder un peu à droite à gauche. Quel combattant serait prêt à participer à ce tournoi? On va commencer. La team DBZ sera constituée de, bien évidemment, Son Goku, très très cool d'ailleurs comme gars. Vegeta, lui aussi, on a bien rigolé, etc. Mais il était très très motivé. Et on a Freezer. Ça leur a tenu à cœur de ramener Freezer. Lui, il était un peu ronchon, etc. Mais bon, vas-y, au final, il est chaud, il veut se battre. Et c'est ce qui nous importe. On s'en fout de la sympathie des combattants adverses. Deuxième équipe, mesdames et messieurs. Je sais que vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Vous êtes fous aussi. Vous êtes fous. Vous êtes... comment dire? Vous aimez la mer. Vous aimez voyager. Oh, que oui. Vous aimez les risques. Mesdames et messieurs, le FC One Piece. Qui sera composé de Marwan-sama. D'ailleurs, à le réfugié, et pareil pour Dragon Ball. On a des émotes pour tout le monde, les amis. On a des émotes pour tout le monde. Le FC One Piece qui sera composé de Luffy, Zoro. Et c'était un choix assez surprenant quand on leur a demandé le troisième. Ils ont décidé de sélectionner Barbe Noire. Mais non. Quel choix. Marshall D. Teach. Évidemment. On m'a dit qu'il y avait des querelles entre eux, etc. Et ils ont décidé de sélectionner Barbe Noire pour ce tournoi.
Après, bon, tu peux avoir des querelles. Quand quelqu'un reste fort, il est fort. Donc, moi, je comprends leur choix. Des fois, il faut savoir mettre l'animosité de côté pour travailler ensemble et essayer de gagner. Voilà, très bien. J'ai un visuel, si tu veux, cher ami. Très bien, très bien, très bien. Je veux bien le visuel. De toute façon, pas spoil. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si, mais je te l'ai envoyé. Tu peux me le renvoyer sur le bon ? Ah, sur Twitter. Ah, ok, parce que j'étais venu direct. T'inquiète, j'ai pris. J'avais prévu le cul, le coup. Après tout, bien évidemment, malgré les querelles, on est là pour représenter chacun son monde, son univers. Donc, bien pour entendu, ceci, il n'y a plus de querelles. On est tous contre l'ennemi. Bien évidemment, bien évidemment. On est tous contre Jojo, un anime de merde. Ah là, côté qui commence directement à lancer les débats. Et en parlant de Jojo, le visuel, je le mettrai à la fin. On va présenter les teams comme on a fait, je pense. Et on verra à la fin. Je vous mettrai le visuel, très très beau visuel hein, de notre équipe graphique. Dave, du village de Kiri, je crois, qui est très très bon. Hein, voilà. Vous pouvez le remercier, le féliciter. Et les émotes aussi de Jojo qui sont incroyables. Bref, troisième équipe, mesdames et messieurs, on a l'équipe DBZ, on a l'équipe One Piece. Troisième équipe, l'équipe. On pouvait pas faire un Senju Fight sans eux, on ne pouvait pas. Bien évidemment. L'équipe des ninjas, l'équipe Naruto. L'équipe Naruto. Et là, il y a une surprise, mesdames et messieurs. Ouais. Là, il y a une surprise. Contre toute attente. Hein. Contre toute attente. Il y a eu des négociations. C'est vrai, ça nous a pris beaucoup de temps à organiser. On s'est re-rendu là-bas. Vous savez que le dernier Senju Fight s'est déroulé il n'y a pas longtemps. Donc, il y a eu peu de temps de récupération. Mais c'était quand même chaud. Ils ne pouvaient pas ne pas y participer. On aura Naruto. Bien évidemment. Classique. Sasuke aussi qui a décidé de participer. Et là, c'est là où ça a pêché, mesdames et messieurs. C'est là où on s'est pêché. Mesdames et messieurs, on voulait peut-être un Shikamaru ou un Kakashi, quelqu'un avec pas mal d'expérience. Mais à la place, on aura Tenten, mesdames et messieurs, qui a accepté de participer à la compétition. C'est un choix assez. On peut se poser des questions. Tenten qui avait quand même fait un très bon Senju Fight la dernière fois. Qui a gagné son match. Donc, ils ont décidé d'investir sur le futur. Ils ont peut-être des stratégies. Non, je rigole, mesdames et messieurs, c'était une blague. Bien évidemment, Tenten, on se connaît, c'est pour ça qu'on fait des blagues. Elle sait qu'elle est très très forte, qu'il n'y a pas de problème. Elle reviendra dans un autre Senju Fight, bien sûr. La troisième personne de cette équipe, mesdames et messieurs. Il avait annoncé sa retraite. Il avait dit que c'était son dernier combat. Il dit souvent ça, Kamel. Mais il revient tout le temps. Mesdames et messieurs, l'équipe Naruto sera composée de Naruto, Sasuke et Madara Uchiha. Oui, mesdames et messieurs, contre toute attente, il a décidé de remettre les crampons après son énorme échec face à Senju Hashirama. On se rappelle, combat de légende, combat de titan. Et il a décidé d'aider les deux Pcho à aller chercher cette victoire dans ce Senju Fight All Star, mesdames et messieurs. Voilà, je vous le dis. Ils sont partis le chercher. Il était dur à convaincre. Derrière cette équipe. Bien évidemment, ils vont avoir beaucoup de fans derrière eux. C'est un DFC les plus répandus. Enfin bref, j'en vois pas beaucoup dans les gradins. Pourtant, ça c'est une team qui est très très populaire. On le sait, c'est une team qui met tout le monde d'accord. L'univers est excellent. Mesdames et messieurs, les Hunters dans le chat, je veux voir des drapeaux d'Hunters. Le drapeau des Hunters, on est parti chercher. Mais alors là... Une très très fine équipe. Et va falloir faire attention à eux. Hein. C'est leur premier Senju Fight. C'est la première fois qu'ils participent. Mais va falloir faire attention à cette équipe, mesdames et messieurs. L'équipe Hunter x Hunter. L'équipe Hunter x Hunter qui sera composée, bien évidemment, de Gon. Normal. Chat. Le vrai Gon. Gon. Il n'y a pas de Gon sans. Ah ouais, Dans son père. Sans Kiroa, exactement. Kiroa aussi, qui fera partie de l'équipe. Et en dernier, il a été compliqué à aller chercher. Il était en phase de reconstruction. Il avait un peu... Il n'était pas très très bien. Mais on connaît son potentiel et on a décidé de le relancer. Non, mesdames et messieurs, Hisoka a refusé catégoriquement de participer à ce tournoi. Je ne comprends pas pourquoi il avait... Il nous a dit, je cite, je ne viendrai que s'il y a affront contre mon équipe. Exactement. Donc à tout moment, il peut peut-être intervenir, mais Hisoka a refusé de participer à ce tournoi. Mesdames et messieurs, l'équipe
de Hunter x Hunter sera constitué de Gon, Killua et Meruem. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Meruem qui participera à ce tournoi en tant que troisième membre de l'équipe d'Hunter x Hunter. Voilà, ils ne sont pas venus pour rigoler. Ils ne sont pas venus pour rigoler. Attention, c'est des rookies, mais attention à eux. Attention à eux. Voilà, je vous le dis. Comme on vous l'a dit, on vous a dégoté la crème de la crème. Ah, c'est du Senju Fight, c'est du Senju Fight All-Star. Mesdames et messieurs, la cinquième équipe qui participera à ce tournoi. Quelle équipe, celle-là? Quelle équipe, oh là là. Quelle équipe? C'est aussi des rookies. C'est aussi des rookies. Ils viennent de débarquer, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne savent pas se battre. On a du solide, on a du très solide. L'équipe des futurs héros de ce monde, My Hero Academia, mesdames et messieurs, qui sera constituée de Deku, Shoto et All Might directement. Thanks. All Might qui a repris du poil de la graine et il s'est dit qu'il allait mener les deux pitchouns à la victoire. Mesdames et messieurs, ça c'est une équipe dont j'avais très très peu d'insight, mais côté lui, il connaissait vraiment beaucoup là-bas. Il connaissait les combattants avec Bibi, ils m'ont bien conseillé. Ils sont partis les dégoter, ils sont partis négocier. Ah, c'était assez compliqué ça ou c'était... Bah franchement, ils n'ont pas notre temps en général, hein, surtout les personnes qu'on est allé chercher. Mais on a réussi. On a réussi et là, on va dans un univers plus holographique, je dirais. Bien évidemment, on parle bien évidemment, mesdames et messieurs, de Bleach. Mesdames et messieurs, le FC Bleach qui participera bien évidemment à ce Senju Fight All-Star. On ne pouvait pas faire sans eux. Et l'équipe est constituée de... Vas-y, je te laisse côté annoncer à l'équipe. On commence par le classique, hein, y a pas de Bleach sans Ichigo. Logique. Osaki, la base. Le deuxième, je laisse Bibi l'annoncer, on laisse le plus charismatique pour la fin. Aizen. Il n'a pas compris, il n'a pas compris. Mais... Le deuxième qui est Itsugaya. Oui, mesdames et messieurs, Itsugaya. Ah, jure. Ben ouais, j'allais laisser Aizen à la fin, t'es trop nul. Ok. Et du coup, bah, que c'est spoil, c'est Aizen qui participera aussi à, pour le FC Bleach, la sixième équipe de ce tournoi. En septième, mesdames et messieurs, on a pris la décision d'aller les chercher. Ils deviennent vieux. C'est pour tous les vieux du chat. Les vieux briscards, on a tous les c'est pour tous vieux. Les lules du chat. Tous ceux qui mettent lul sur Twitch, tous ceux qui ont des enfants, tous ceux qui ont 40 ans mais qui s'amusent quand même devant ces combats exceptionnels. Mesdames et messieurs, c'est pour les vieux de la vieille, les vieillards, les vieux schnock, les croutons. Les carcasses, les vieux briscards. Oui, mesdames et messieurs, l'expérience, le caractère. Alors, on vous a concocté une équipe, un mix. Entre petits oignons. Un mix aux petits oignons, oui, j'ai vu du Senseiya dans le chat. Il y aura bien évidemment des membres de l'équipe Senseiya, mais il y aura aussi un autre vieux briscard, un vieux de la vieille. Et vous savez sûrement qui c'est. Alors, chez Senseiya, on ne peut pas faire Senseiya sans Pégase, logique. Oh, normal. On aura aussi Shiryu, le dragon, bien évidemment. Et pour compléter cette équipe, vu qu'il n'était que deux, Yugimoto, non. L'inédit, hein. C'est inattendu de les voir ensemble. Hein, exactement. On est parti les chercher. Vas-y, les trois, ils disent problème d'articulation, ça commence à avoir mal. Oui, mesdames et messieurs, Ken, le survivant, fera Ken, partie survivant. De cette équipe. Ken, le survivant. Senseiya, Ken, le survivant, quelle association, quel crossover. Ils représenteront... Tous les vieux du chat. Exactement. À l'époque, comme dirait. À l'époque, oui, mesdames et messieurs, on est parti les repêcher et ils sont là pour vous, les vieux du chat. SO. Ah, dernière équipe. Et quelle équipe? Quelle équipe? Quelle équipe, mesdames et messieurs? Ouh. Je sais qu'ils ont beaucoup de fans dans le chat. Côté les détestent. On attrape le combat de la soirée. Le fameux Ora, 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 Ora. Oui, mesdames et messieurs, la team Jojo. Mais malheureusement. Ou heureusement, la team Jojo n'a pas pu être complète. La team Jojo, il y aura seulement deux membres de la team Jojo qui seront Jotaro et Joe, qui vont représenter la team Jojo. Mais il nous fallait une troisième personne. Et du coup, on est parti chercher un fameux un classique. C'est Joe le deuxième ou... Ouais, c'est ça. C'est pas Diro ou je sais plus, voilà, je connais pas. Non, c'est Joe. Dio. Moi, je dis Joe, moi. Ah, tu dis Dio, toi ? Ouais, c'est Dio. Bah, c'est Dio, wesh. Ah, okay, oui, ils auront. On m'a dit qu'ils avaient pas mal de capacités d'invocation ou ce genre de trucs.
Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas ramener qui d'autre que Yugi Moto, qui ne pouvait pas avoir d'équipe pour participer à Senju Fight. Ils sont très bien entendus entre eux. Ils avaient à peu près le même style vestimentaire. Du coup, ils étaient, ça a vraiment cliqué entre eux. Ça a vraiment cliqué entre eux. À voir ce que ça va donner sur le terrain, mesdames et messieurs. Voilà. Voilà, vous avez des drapeaux partout dans le stade pour représenter vos différents protagonistes ou antagonistes, bien évidemment. Clairement. Et maintenant, on va passer à l'arbre de tournoi. Sûr, le tirage. Je vous montre juste. Est-ce qu'on a envoyé sur Twitter le visuel? Le visuel arrive en tournoi. Tu peux leur montrer le récapitulatif des équipes. Voilà, le récapitulatif des équipes, mesdames et messieurs. Le FC Dragon Ball Z, le FC MHA, le FC One Piece, le FC Bleach, Naruto, Carl Epoch, Hunter x Hunter et Jojo Yu-Gi-Oh! La collab. Des équipes de fous furieux. Que de la dinguerie. Hein. Ça va être incroyable. Vous voyez chaque combat gagne, va chaque être combat, à déguster. Ça va bête et tout, c'est incroyable. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, sur le terrain, vous le savez, il va y avoir des systèmes de paris qui vont être disponibles sur la manette à votre gauche dans le stade. Vous l'avez trouvé, ça va bientôt arriver. À chaque combat, vous allez pouvoir parier vos K-Points, bien évidemment, vos Senju Points, et voilà. Qu'est-ce que serait un Senju Fight sans les paris, bien évidemment. Bien évidemment, mesdames et messieurs. On respecte pas Senseiya, ça me dégoûte. Pourquoi? Ah, tu veux dire dans le stade? Ouais, mais tu connais la jeunesse et tout. Mais vous inquiétez pas les vieux, on a pensé à vous et vous pouvez aller chercher. Vous voyez qui gagnait, juste comme ça? Comme ça, là? Ah, attendez, les gars, n'hésitez pas à me dire sur le hashtag Senju Fight qui pourrait gagner. Bah oui, bien évidemment. C'est logique. C'est évident, ça. C'est logique. Hashtag Senju Fight. Et dites-nous, vous êtes pour qui vous supportez et qui vous voyez gagner. On a envie de voir ça. Le FC Bleach. Hashtag Senju Fight. Le FC Bleach, il dort un peu debout, c'est ça que tu veux dire? Non, moi, je pense qu'il peut faire la surprise. Hein. Ah, clairement, quand tu vois... Ils ont des individus incroyables. Des individualités, ouais, c'est vrai. Après, il y a aussi la cohésion d'équipe, hein, faut faire gaffe. Parce que des fois, t'as des équipes qui peuvent paraître super, super fortes. Mais comme je l'ai dit, il y a souvent des problèmes d'ego dans ce genre de combat. Ouais, non, c'est moi qui vais faire le combat. Toi, tu restes derrière, etc. Et du coup, ça peut foutre la merde. Les combats vont se dérouler sur 3 rounds. Et on voit pas mal de MHA, pas mal de Terre à l'époque. Joe et Jotaro arrivent dans le stade. On a une petite vidéo. N'hésitez pas à mémer au max, hein, plein de mèmes de partout. Et bien évidemment, encore une fois, le stade affiche complet. C'est incroyable. Oh là là, ça va être dingue. Est-ce qu'on a le visuel de l'arbre du tournoi? Il arrive. Nos équipes sont sur le coup. Après, tu connais, hein, ce Senju Fight a été fait de manière un peu surprise. Avec les événements récents, c'est compliqué d'être préparé directement à vous. On a l'arrivée du dernier analyste, hein, pour compléter cette équipe de génie. Eh oui, la team DBZ, on est là, ouais. La team DBZ. Grand fan de la team DBZ. Ouais, la team DBZ. On n'aurait pas Marwan Sama pour représenter le FC One Piece. Je sais pas s'il est là. Ah, il y a vraiment un mec qui est là, il dort. Moi, je tiens à vous le dire, c'est le FC Naruto de mon côté. Tu restes sur tes classiques, pas de problème. Ah, moi, c'est le FC Taijutsu. Le FC Taijutsu. Le FC Bleach, du coup. Ouais. Moi, si je vous disais que le FC T'a à l'époque va faire la surprise. Tu es pour le FC T'A à l'époque? Je sais que moi, j'aime très, très fort ce FC T'A à l'époque. Hein. C'est des personnages emblématiques si vous ne les connaissez pas. Mais moi, j'ai envie de mettre. Vous savez quoi? J'ai envie de croire en la jeunesse et j'ai envie de mettre une petite piécette sur le FC Hunter. Le FC Hunter, je peux vous le dire, ils ont vraiment la hargne. Quand je suis parti les voir, ils étaient un peu choqués qu'on les invite, mais ils avaient vraiment, tu vois, cette étincelle dans les yeux. Et moi, je les reconnais, les combattants du Senju Fight, je sais. Et là, dès que je les ai vus, je savais que ça allait être des très, très bons concurrents pour ce Senju Fight. Je dis pas qu'ils vont gagner. Mais je dis qu'ils vont causer des problèmes. Ils sont là pour causer des problèmes. C'est laisser le grand frère Meruem se battre ou ils vont laisser les petits d'abord? Non, ils ne voulaient pas trop me parler de stratégie. Ils étaient plus... Tout est possible. Hein, mais en tout cas, un esprit d'équipe très très fort là-bas. Un esprit d'équipe très très fort. Je les voyais vraiment soudés, en tout cas en dehors du combat. À voir, hein, parce que dans une arène, tout change du tout au tout. Et on voit pas mal de FC Bleach quand même, hein, sur Twitter. Oh, j'ai une idée de tout. L'arbre est envoyé Chaque capitaine... en régie. Excuse-moi. Oui.
chaque capitaine choisit les champions, enfin les persos qu'il veut de son FC. C'est un peu, c'est trop tard, frère. On a tout fait les visuels, ah, on a sélectionné les trucs, oh, on a mis des chemises, des vestes. C'est trop tard, frère. On peut pas choisir. On est parti les chercher un par un. Ça fait des semaines qu'on travaille sur ça. On est parti dans le monde des ninjas. On est parti sur Namek. On est parti partout. Mais pourquoi pas la prochaine fois? Le chemin qu'on a fait. Hein. Eh ouais. Eh oui. Sur ok, Namek. L'arbre du tournoi. Namek. Il est vide, tu vas pouvoir le remplir petit à petit. Bien évidemment. T'as pas une autre scène où on va attaquer un peu petit? Ça arrive, t'inquiète. Ok, pas de problème. C'est pas sur le bon PC de toute façon. Il y a même une émote, les amis, pour le présentateur. Hein, si vous trouvez Kamel est beau. Ah, on est d'accord. Fuck le FC Jojo, non? Oh, que oui. C'est dommage, c'est un anime de merde, Django. Clairement. Pas bien une seconde cet anime. Ah, c'est des tarés. Moi j'ai pas vu, je ne vais pas juger. On respecte bien évidemment tous les participants à ce tournoi. Comment on a plein écran? Ça fait plaisir de vous voir. Autant rendez-vous les amis, n'oubliez pas le hashtag SenjuFight pour réagir. Oh, mets-toi en plein écran ta grand-mère. Ouais, il est trop beau le Kiroa. Non, le Gon, pardon. Sur le. Wow, sur le t'as confondu les deux, c'est. Wow. C'est une dinguerie. Parce que c'est Kiroa à côté de sa tête, c'est pour ça. Bon, t'es sûr, t'es un analyste, toi? Les amis, pour les modes de l'équipe, t'as à l'époque, c'est le Kamel Hold, il n'y a pas plus simple. Hein. Ah ouais. Ouais, ouais. On va se prendre la tête. Ah ouais, les gars. Ça arrive, les gars. Maintenant, je m'en dis un truc, ça va ouf. Là. T'as dit quoi? Non, rien, il m'a envoyé un message. Attends, je vais le mettre. Ne l'affiche pas. Hein. Bien évidemment. Les amis, excusez-nous, il hein, y a un petit. C'est qui qui t'a dit ça? C'est Dave. Il y a un petit. Petit entracte pour que vous puissiez aller chercher ça un arrive, sandwich, ça arrive, ouais, allez prendre des petites boissons, bien évidemment, on a des ramen, on a de tout. Hein. Attendez. N'hésitez pas à aller vous restaurer à la cafette. Bien entendu, hein. La cafette, bien évidemment. Quelle franchise hein, qui commence à aller un peu partout. On l'a trouvé à Namek, on l'a trouvé à East Blue. J'ai pas très fait des mots. Oui, je suis en train de régler le bail, moi, deux secondes. Comment ça s'appelle le truc de machin? Yorkshire City, on la trouve partout, cette franchise de la cafette. Salut, j'étais en retard, les amis. Oh, ouais. Oh, on a Luffy lui-même. Quel Senju Fight sans Luffy? Bien sûr, on pouvait pas prendre le FC One Piece sans, voilà quoi. Bien entendu. Et tu penses quoi de cette line-up, mon cher line-up Maro? One Piece Elle est incroyable. Alors, on ne pouvait pas rêver mieux. Et je pense que on a de grandes chances de gagner ce Senju Fight. Ouh, les chaussons d'été. Tu vois quelle équipe en dernier? Fais ta petite tier list. Vas-y, dis-nous tout. Qui va être dernier, ouais. Vas-tu faire mentir les tier list? En dernier, je vois sincèrement. Je ne vais pas vous mentir. Moi, c'est les petits hunters que je vois en dernier. Les petits hunters, tu crois pas en eux? Ils n'ont pas assez d'expérience. C'est vrai que ça fait beaucoup. Ils peuvent faire la différence, mais ils n'ont pas l'expérience par rapport aux autres. Par contre, l'équipe à l'époque et Jojo Yu-Gi-Oh, je pense qu'ils vont nous choquer. Je pense sincèrement. C'est bon, mesdames et messieurs, l'arbre de tournoi est prêt. On va pouvoir sélectionner les premiers combats. Comment il s'appelle le site de roulette déjà? C'est pas très genre. J'avais la flemme de faire. Flucky. Ok, voilà. On va avoir droit à la grande roulette, mesdames et messieurs. Vous êtes habitués maintenant dans les Senju Fight. Vous allez avoir droit à la grande roulette. Tout a été vérifié par des huissiers de justice juste avant. Et on va commencer avec le premier combat. Alors, on va tout mettre dedans. Attends, Kamel, en vrai, t'as expliqué ton costume ou pas? Bah, j'ai pas celui qu'il fallait, je crois. Non, mais tu sais que déjà, ils l'ont reconnu. Hein. Ah ouais? Ouais, je te jure, il y a déjà. Il y a déjà, ils ont reconnu mon cosplay. Il vient de me dire, il m'a dit, incroyable le cosplay de Kamel. Et il m'a envoyé la photo. Jure, il a compris. Il y en a un. Il a recouvert. C'est le mec du détournoi Dragon Ball. Ah oui.
Il y a un mec qui l'a. Ah, je suis trop heureux. Oui, les amis, quel prod dans ce Senju Fight. Ah, bien évidemment, bien évidemment. Bientôt, grand Rex. Mais je te jure qu'on va le faire. On va trouver une plus grande salle, hein, bien évidemment, un jour. Pourquoi pas ça dans un stade, dans un énorme stade, plutôt qu'une arène. Alors. Ce serait incroyable. Je te le dis, hein, je vais penser tout à l'heure. Il manque une équipe. Ce serait tellement drôle. Tellement stupide, mais tellement drôle. Je te jure. C'est déjà que là. Oh putain. Imagine le média là. Déjà de base, ils se disent ouais, c'est des ouf. Ok. C'est l'heure, les amis. Qui va affronter qui? Mesdames et messieurs, la roulette est prête. On peut. Les amis, je vais vous le dire, je pense que la team My Hero Academia va créer la surprise. Je pense que la team My Hero Academia va se faire casser la gueule. Moi, personnellement. Je pense qu'il y a besoin d'aller se faire foutre. Hein. Okay, on a des commentaires très très peu objectifs et très très crus, mais c'est ça, c'est pour ça qu'on aime le Senju Fight, mesdames et messieurs. Malheureusement, il n'y a pas de team SNK, bien entendu. Ça aurait détruit la team One Piece, étant donné que c'est un animé supérieur. De toute façon, le FC Naruto. Et mesdames et messieurs, c'est parti. Qui sera le premier à combattre dans ce Senju Fight, mesdames et messieurs? La première équipe à se battre sera. À l'époque qui va démarrer dans ce tournoi. L'expérience. Oh, faut tout remettre. Ouais. Sinon, tu vas noter le camel. T'en as un bien? Bah ouais, moi j'en ai utilisé un bien. Dis-moi, s'il te plaît, sinon faut tout réécrire à chaque fois. Je vais péter un peu. Bien. Et t'as juste à faire H et ça le supprime de la liste. Mais tous les noms. Envoie-moi sur Twitter, s'il te plaît. Je le dis, s'il te plaît, plus de rien besoin. Envoyé. Simer. Ok, parfait. On va devoir tout refaire. On va devoir tout refaire, les gars. Désolé à la team à l'époque, mais vous allez peut-être pas démarrer, ok? Ok. Pourquoi pas? C'est pas un problème. Ils ont le temps. Eux. Ok, c'est bon, parfait. Ah frère, je sais plus, ils ont trop le temps là. Ils ont vraiment plus le temps. Ça les a déterrés, frère. Pas mieux pouvoir se reposer un peu plus. Et on est numéro 6 des tendances, bravo les amis. Devant Tovin, on continue. On est combien? Numéro 6, les gars, continuez. De toute façon, plus les combats vont avancer, plus vous allez réagir, c'est logique. Alors. Moi, j'ai vraiment hâte des top tweets et tout, des mêmes, là. C'est vraiment C'est incroyable. Après, c'est trop, trop bien. N'oubliez pas de reprendre les gens qui oublient d'utiliser le hashtag, mesdames et messieurs. Hashtag Senju Fight. Bientôt, vous êtes plus de 18 000, les amis. Mesdames et messieurs, c'est parti. Let's go. On démarre. Quelle va être la première équipe qui va participer à ce Senju Fight All-Star? Oh. Et mesdames et messieurs, le hasard fait bien les choses, non, mesdames et messieurs, t'es à l'époque, qui vont vraiment démarrer. À l'époque, t'es à l'Evanovski. Du coup, hop, on les enlève. H et c'est tout. Comment ça, H? Appuie sur H et ça va l'enlever tout seul. Ça l'a pas enlevé, j'enlève à la main, je le fais après. Ok, c'est parti, qui va affronter l'équipe d'à l'époque pour le premier combat du Senju Fight All-Star? Oh, imagine une finale. Allez. Oh là là, mesdames et messieurs, la jeunesse contre l'expérience. Oh là là, on commence avec Hunter X Hunter contre Terre à l'époque, tout simplement. Les petits mioches d'Hunter X Hunter. Ok, on continue, mesdames et messieurs, on continue. Qui va être le deuxième combat de cette soirée? Il reste plus beaucoup de participants, hein. Là ça va aller vite. Avec une pitchoune. La old school contre la new school. La choc, oh là là. Mesdames et messieurs, One Piece, Maru. Oh. Maru te parle. Imaginons Naruto DBZ. Naruto One Piece. Naruto One Piece direct dès le début, c'est incroyable.
C'est pour qui toi rallye t'es le FC Naruto, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais pourquoi il y a un autre classique, mesdames et messieurs. Ils vont devoir se frotter à l'une des équipes favorites de ce tournoi. Naruto, One Piece contre DBZ, mesdames et messieurs. En deuxième combat de ce Senju Fight. On a une finale en premier. On en rêvait. Ah là là, on en rêvait. Et le Senju Fight vous le donne, mesdames et messieurs. C'est parti, plus qu'un combat et on aura les deux derniers. Le classico, hein, c'est le classico. Un classico sans Naruto. Ah là là. Et peut-être un Bleach Naruto qui serait très très bien parce que c'est Bleach qui vient d'être sélectionné pour ce troisième combat, mesdames et messieurs. Là là. Ça peut être intéressant de jouer en dernier comme ça peut être mal vu aussi de jouer en dernier. Ça peut... Enfin, je sais pas, on verra en fonction des combats. C'est possible, c'est possible. On peut analyser les combats avant. En plus, les amis, il n'y aura pas de loser bracket dans cette édition. Ah, bien évidemment, vous perdez, vous êtes out. Bleach affrontera Jojo en premier tour de ce Senju Fight All Stars qui nous donne du coup Naruto contre MHA, mesdames et messieurs. C'est un beau combat. C'est un beau combat, c'est excellent et on peut continuer. On peut continuer directement. Que de belles affiches, hein. Que de belles affiches. On peut déjà lancer le premier pari. On a déjà le premier combat. Ouais. Le visuel avec l'arbre complet arrive, les amis. Nos équipes techniques vont bien évidemment s'empresser d'aller prévenir les joueurs, même s'ils étaient tous derrière un écran. On n'avait pas malheureusement d'écran de caméra pour vous montrer leur réaction suite au tirage. Mais je pense qu'elle devait être électrique. Et quel premier combat, mes amis. Quel premier affrontement pour ce Senju Fight. La jeunesse contre l'expérience, on sait que l'expérience, ça apporte beaucoup de choses en combat. Mais là, ils commencent à se faire vieux, les vieux, là. Ils commencent à se faire vieux, tandis que de l'autre côté, moi, je les ai vus, j'ai vu les mouvements du jeune Kirua, etc. Ça allait très, très vite. Il va falloir rester concentré pour les yeux. Petite question, mes chers analystes. Que pensez-vous du match-up Pégase contre Gon? Ça, c'est très attendu comme match-up quand même dans ce Ah, Pégase contre Gon, mais Gon, il y a vraiment, comme je l'ai dit, il y a une alchimie entre les deux avec Kirua et même Meruem, il y avait quelque chose. Et on nous fait part d'une deuxième vidéo. Une deuxième vidéo. Eh ben, cette vidéo a été envoyée par les participants du Senju Fight eux-mêmes. On va observer. C'est tellement bien fait en vrai. En vrai, wesh. Quel prod, encore une fois, pour ce Senju Fight. Ah, les grands moyens ont été investis, hein. Oh, la D. Oh, putain. On est là, ouais, Freezer. Attendez. Souci technique avec l'écran du terrain qui vient nous lâcher. Souci technique. Et on va avoir la vidéo tout de suite. Patientez, je suis désolé, ça arrive. Vous savez, on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation pour cette scène. On fait avec les moyens du bord, mais ça arrive. Ah, dommage. Hein. T'as bien géré le truc, ouais. Il n'y a plus que du feu. Ça arrive, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de scène du fight sans petit Zaku. Vous connaissez la chanson. Ben évidemment, c'est pour ça que vous nous aidez, parce qu'ici, c'est naturel. En attendant, mesdames et messieurs, je vous informe qu'on a encore gravi une place dans les tendances. Nous sommes cinquième. Et voilà, la vidéo qui va pouvoir redémarrer. Que va faire One Piece à la fin de ce tournoi? Non, One Piece, c'est huitième. Ah oui, excuse-moi. Ouh, alors que j'ai le visuel de l'arbre que je t'envoie en régie. Thank you.
Quel trailer a coupé le souffle, mesdames et messieurs, a coupé le souffle. Oh là là. Et peut-être des... on vous a préparé un petit trailer pour le prochain Senju Fight. Là, laissez prendre des notes. Les futurs pareil. Participants. Et Jump Force, si vous vous demandez, c'est l'équipe de prod. Hein. Ouais, l'équipe de production qui nous permet de réaliser ces combats. Bien sûr. On a le visuel du... On avait un très combattant très très fort, je sais pas si vous le connaissez, un certain Kameto, qui a refusé de participer à Senju Fight, mais qui participera sûrement à l'un des prochains. Bien sûr. Le visuel est en régie. Merci, très bien. Je vais contacter la régie pour qu'il affiche le mesdames et messieurs. Dépêchez-vous la régie, bordel de merde. Excusez-moi, c'est pas professionnel de ma part. Non, c'est vraiment pas professionnel de parler comme ça, mais c'est pas grave. C'est ça qu'on aime, on aime la franchise dans le Senju Fight. Bien sûr. Hop, petite photo. Oh, petite photo. Il y a eu le bruit du screenshot. Ok. Du coup, t'as posé devant ton PC. Ok. Mon gars, t'as été RBZ au TPR. Et vraiment Turbo Pixel. Et du coup, on va pouvoir revoir le premier combat. T'es à l'époque contre Hunter x Hunter. Ensuite, on fera sûrement Bleach Jojo histoire de commencer la deuxième partie du tournoi pour que ça soit bien fair play. Ensuite, One Piece contre DBZ, le classico. Puis Naruto contre My Hero Academia. Vous avez tous les participants de tous les combats, toutes les teams. Jusqu'où iront chacun? C'est la question qu'on se pose tous. Et on va le découvrir maintenant avec le FC Terre à l'époque contre Hunter x Hunter, mesdames et messieurs. Et petit rappel au niveau du format, ça va se jouer en 3 rounds, les amis. 3 rounds, mesdames et messieurs, oui. 3 rounds. Les paris sont lancés pour le premier match. Le deuxième match, ne lancez pas après, hein, directement, attendez. Parce que le deuxième match, comme je vous ai dit, ça sera Jojo. Hein. Ça sera Jojo, on a eu un changement dans l'organigramme. Trois rounds, comme prévu. Alors, on va commencer par le FC à l'époque qui a été tiré en premier. Pégase. Dans le stade, mesdames et messieurs. Il est beau, il est étincelant, il a une armure, il représente les chevaux. Veuillez accueillir Pégase Senseiya, mesdames et messieurs. Ouais. Let's go. Petit problème technique. Je viens de penser à un truc là. Est-ce que notre ingé son est disponible pour débruitage? Ouais, bien sûr. Pas de limite de temps, c'est des combats jusqu'à la mort. Bien évidemment. Vu qu'on a fait Pégase. Il vient du même univers que Seiya. Il représente les dragons. Veuillez accueillir Shiryu. Il est vieux, certes. La traduction française de ce manga est à mourir de rire. Mais lui n'est pas un rigolo. Ken, pas de blague. Le survivant entre dans l'arène. Mesdames et messieurs, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont pimpants. Ce sont des hunters, ils viennent tous du même univers. Vous les connaissez sûrement, ils sont très très populaires sur les réseaux. On va avoir droit à Gon Freaks qui participera à ce tournoi en tant que représentant de la team des hunters. Gon sans Kirua, ce n'est personne. Du coup, très très bien sûr, Kirua rentrera dans l'arène. Et je veux un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Un tonnerre d'applaudissements pour l'un des plus grands antagonistes qu'on ait jamais connu, Meruem. Oh là là, il est là. Il est vraiment venu. N'hésitez pas à sortir vos drapeaux dans le chat.
Beaucoup d'ambiance dans le stade. On peut se battre un peu partout grâce à nos équipes technologiques qui ont réussi à retranscrire un peu tout. Bien évidemment, ça sera un terrain neutre. Et pourquoi pas commencer à Paris, à côté de l'Arc du Triomphe et de la Tour Eiffel, mesdames et messieurs. C'est parti, on y va. Le premier combat de Senju Fight va démarrer. L'équipe Terre à l'époque contre l'équipe de la Hunter X Hunter. Couvre-feu. Imana. Quel combat va démarrer directement. Senju Fight, qui voulait gagner, n'oubliez pas. On lit chacun de vos messages. Bien évidemment. Et voilà, on voit. Allons-y les gars, on y va, on voit l'esprit d'équipe, ça se regarde et ça va démarrer, mesdames et messieurs. Chaque team a une seule barre de vie pour trois personnages, donc à eux de faire le choix. On invoque Kiroa directement, qui va mettre beaucoup de dégâts à Seiya. Ouais, bien évidemment. On va demander le recadrement. Meruem qui rentre en combat contre Kiryu. Kiryu qui se protège très bien avec son bouclier. Et Meruem, on l'a dit, hein. Meruem, un coup de queue, deux coups de queue. Et la permutation directement par Kiryu. Kiryu qui essaye, mais la double permutation. Meruem qui commence très très bien ce tournoi. Alors attention, Egon Trick. Pierre, papier, ciseaux. Malheureusement, Shiryu n'est pas de cet avis. Et Shiryu qui se venge directement. La Team Hunter qui prend beaucoup de dégâts. Le Dashin directement. On appelle Kirua. Kirua qui envoie beaucoup d'esprit. La contre-attaque, la riposte. Shiryu qui a 5 barres d'énergie. Kirua aussi. Oh là là. Oh là. Oh non. Quel combat pour commencer, mesdames et messieurs. Oh là là, la technique spéciale de Meruem qui met énormément de dégâts. Meruem, quel roi! Oh là là, Meruem! Meruem, et on. Oh là là là, c'est exceptionnel, mesdames et messieurs! Et directement, l'éveil pour Shiryu! Qui ne va pas se laisser faire! Le combat est très très serré! Ça va trop vite! Et là, on a invoqué le papy! Ken le survivant, attention à l'équipe de Hunter. C'est esquivé par Gon. Gon qui ne fait pas un très très bon combat pour le début. Et on ravote Seiya. Seiya qui remet les crampons. Qui va directement. Oh là là, le Le premier round qui est remporté par l'équipe à l'époque. Qui arrive très très fort dans ce tournoi, malheureusement Gon. Il faut se ressaisir Gon. Ah, il n'a pas l'expérience, ça se voit. Eh ouais, ça se voit, tandis que Shiryu, on voit qu'il domine complètement le début de ce deuxième round. Et attention, Hunter, si ce round est perdu, c'en est terminé. Et on a Gon qui s'est éveillé. Est-ce que ça va suffire? Non, Shiryu qui domine totalement les débats. Il faudrait peut-être appeler quelqu'un d'autre. Gon qui s'entête. Et Gon qui prend les points descendent des chirures de Ken, le survivant. Kirua qui vient directement pour protéger son allié. Oh là 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 là, Kiroa qui revient très très fort. Kiroa qui met énormément de dégâts. Et on ramène Gim Meruem. Meruem est un peu le seul combattant qui a su tirer son épingle du jeu. Et qui arrive directement. Seiya qui contre très très bien. Pégase. Faudrait saisir Pégase pour l'époque. Ah, Pégase qui arrive à mettre de très bonnes esquives. Mais ça va très très vite. Et Meruem qui enchaîne. Les combats qui vont à la vitesse de la lumière. Hein. Vous avez vos lunettes 3D pour voir à la vitesse de la lumière. Et directement Seiya qui envoie son éveil. La flèche dorée, Meruem qui la prend en pleine poire. Et c'est pas Cupidon, mon boss. Eh non. C'est carrément pas Cupidon. C'est pas... Oh là. Attention. C'est terminé, 2-0. Oh là là. 2-0, mesdames et messieurs. Aïe. Oh là là, le FC Terre à l'époque. Attention, mesdames et messieurs, au FC Terre à l'époque. Attention, ils ne sont pas venus pour rire. C'est sûrement leur dernier tournoi, et ils ne sont pas venus pour rire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? L'énorme Hunter X Hunter qui sont dehors dès le début. On peut le dire, Meruem était un V3. Meruem, c'était le seul à avoir de l'expérience. Alors, l'expérience l'a remporté par rapport à la fougue de la jeunesse. Et on me dit aussi que Ken a crié dédicace à toutes les EHPAD de France. Bien évidemment, ouais, il en a placé une pour tous les yeux du chat. C'est pour vous, mesdames et messieurs. Tous les vieux sur le terrain, dans l'arène. Oui, c'est pour vous. Du coup, quel combat.
C'était incroyable. Ils sont arrivés explosifs. Hein. Mais attention à pas trop se brûler dès le début du tournoi. Attention. Clairement. Attention, ah oui. On va voir s'ils vont tenir sur la durée. Après, ils en ont fait des combats. Hein. Ils ont cette expérience, cette hargne, cette pugnacité. Qu'est-ce qui a manqué chez cette équipe des Hunters? On sentait qu'il y avait de l'énergie, mais ils fonçaient droit dans le tas sans même réfléchir. Et c'est un peu ce qui leur a coûté le match, j'ai l'impression, parce que on sentait qu'il y avait un potentiel, mais derrière, on n'a pas eu de stratégie d'équipe. On a vu Gon qui s'est un peu entêté, qui a voulu revenir, peut-être un problème d'ego. Qu'est-ce qui s'est passé? Excuse-moi d'utiliser ces termes, mais Gon a pué ses grands morts quand même, on peut le dire. Ah oui, Gon qui a vraiment pas été à la hauteur de l'événement là. Ah, il était trop excité, il sautait partout pour rien. On peut parler d'un craquage sous la pression. Ouais, je pense aussi. Première expérience, ils reviendront dans les Senju Fight. Mais bon, là, ça a commencé très très fort. Ça a commencé très très fort, il va falloir pas mal d'entraînement, mesdames et messieurs. Et là, tout de suite, on va avoir le droit soit des gens très aimés, soit des gens très détestés. Le FC Jojo qui va entrer en scène, mesdames et messieurs, accompagné de Yugi Moto, qui a accepté de compléter cette équipe. Ils sont très bien entendus, hein, comme je vous l'ai dit, dès la première rencontre. C'est un direct match entre eux. Et ils vont affronter qui? Ils vont affronter qui, monsieur Côté? Rappelle-nous l'équipe qu'ils vont affronter. Aucune idée, je t'en réécris à tweet. Qu'est-ce que tu m'as dit, mon cher ami? Contre qui va s'affronter le FC Jojo? Bleach. Ah oui, le FC Bleach, évidemment. Je n'ai pas oublié, je voulais que Côté en parle parce que c'était vraiment son animé, son univers favori, bien évidemment. Bleach, l'équipe qui est composée de Ichigo, de Aizen et de Itsugaya. C'est bien ça, Bifresh? Oui, c'est bien ça. Pour te donner un peu d'informations, Itsugaya, il maîtrise la glace. Ouais, voilà, mais comment ils se sont avant ce combat? Est-ce que vous avez pu leur parler un à un ou pas du tout? Justement, il était assez froid. je l'aime bien. Alors que je vais lire quelques réactions sur le Senju Fight, bien sûr. On comprend pourquoi ton père est parti at Gon sur la Senju Fight. L'émotion dure. On va se mettre le hashtag histoire de réagir à tous les mêmes. Attends, c'est vraiment le sien. Oui, mais c'est très grave ça. On va aller lire quelques réactions. Ah, les amis, FC Jojo maintenant. Mais Ruem, quand il devait laisser sa place à Gon. Je t'en supplie, dis à la régie de baisser le son. Je n'entends pas bien vos analyses pendant les combats. Ah, j'ai baissé le son. Après, on était. Ouais, on pensait pas que ça allait être d'une telle violence. Bien sûr. Une petite dédicace au FC Vieux qui a remporté ce match. Myriam, Avenaf, Miskin, Gon pendant le combat. À l'époque, il n'y avait pas autant d'artifices. Suffisait d'un pouce. Et voilà, les réactions, on kiffe ça les gars, continuez de réagir un maximum. Et on va démarrer sur le deuxième combat. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, FC Jojo contre FC Bleach. Allez-y, hashtag Senju Fight, donnez vos prédictions. Les paris sont ouverts. Vous pouvez y aller, mesdames et messieurs, directement. Vous pouvez voter pour Bleach, les amis. Je vous donne la fricote. Ouh. Des petites analyses d'avant-match, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous voyez l'emporter, là? On va faire un par un, tête par tête. Allez-y. Ok. L'équipe de Bleach, elle possède. Attends une petite minute avant de lancer le. Ok. Bien sûr. L'équipe de Bleach possède à la fois férocité avec Ichigo, du sérieux et de la pugnacité avec Aizen, et à la fois cette fougue et cette hargne du côté de comment il s'appelle encore? Itsugaya. C'est pas de bons amis, je sais pas s'ils vont faire bon mélange. Ouais, mais parfois, tu ne sais pas, mais les opposés s'attirent, c'est ce qu'on dit. Donc. C'est vrai. On ne sait jamais. Bibi, toi qui connais bien l'équipe d'en face du FC Jojo, qu'est-ce que ça va donner là dans ces combats? Moi, je les connais pas trop. Comment ils ont l'habitude de se battre? Est-ce qu'ils se battent souvent ensemble? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Juste, tu me parles de quelle team? La team Jojo? Oui, la team Jojo, bien évidemment. En vrai, je pense qu'ils peuvent se débrouiller ensemble. Ils ont quelques connaissances qu'ils partagent. Genre, ils sont pas seuls, hein, n'oublions pas. Yugi, moi je le connais, c'est un ami de longue date. C'est ça qui est fou. À tout moment, il te ramène son dragon noir aux yeux rouges. Hein, donc, Il l'a pas, c'est pas celui-là, c'est le cavalier des ténèbres, bien évidemment. Jojo aime se battre en groupe. Moi personnellement, mesdames et messieurs,
Oui. Je tiens à dire, je pense que le FC Jojo va gagner, mais va être dans le sac à dos de monsieur Yugimoto. Yugimoto qui peut apporter... Moi, je le connais très bien. C'est un ami de longue date. D'ailleurs, on a passé un week-end exceptionnel avant-hier. Et il était très, très préparé. C'est pas beaucoup entraîné. T'as passé un week-end avec lui avant-hier. Ouais, ouais. Le combat est lancé, le combat est lancé. C'est parti, FC Jojo contre FC Bleach en Nouvelle-Zélande, justement là où on a passé notre week-end. C'est assez exceptionnel, hein. Vous allez voir le paysage est très très beau. C'est à la plage, let's go. Ah, j'ai hâte de voir ce que tu veux qu'on voit qui est le plus fort, nous dit Jotaro. Ça ne devrait pas prendre longtemps, nous dit Ichigo. Zane Pakuto qui est son épée pour ceux qui ne connaissent pas. On espère voir le Bankai là. On va voir, on sait qu'il y a des capacités d'éveil qui peuvent être envoyées. Et directement, Jotaro qui commence par le combat. Oh là là, Ichigo qui prend énormément de dégâts. Jotaro qui attend, regardez. Jotaro est derrière Ichigo qui a mal accepté ce début de combat. Il fait l'entame de match de la part de Ichigo. Il n'a pas l'habitude d'un. Directement, changement d'équipe pour Joe. Changement d'équipe pour Joe qui directement affiche la couleur. Oh là 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 là, toutes les permutations, c'est incroyable. Ichigo qui arrive à reprendre le dessus quand même. Mais Ichigo qui ne veut pas changer. Hein. Ichigo qui reste sur le devant de la scène. Et voilà, mesdames et messieurs. Le FC Jojo. Le FC Jojo qui décide de faire confiance à Yugi. Yugi qui se fait un peu mal mené directement sur l'entrée. Oh là là, et voilà. Yugi qui est en train de se faire retourner. Siffler ! Il a invoqué Siffler ! C'est sa frappe du tonnerre, Yugimoto ! Directement qui commence par 100 coups d'affilée. On invoque le magicien des ténèbres qui vient apporter une posture défensive à Yugi directement et offensive derrière. Il maîtrise très très bien la distance. Yugi qui a un énorme impact pour les FC Jojo. Ichigo derrière. Ichigo. Ichigo qui se transforme. Ichigo qui se transforme. Ora 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 ora. Il est bloqué. Ichigo qui n'a pas donné la main à Aizen. Peut-être laisser Aizen partir au combat, peut-être, non. Ah, ça reste trop cœur, wesh. Oh, l'égoïsme. Oui, mesdames et messieurs, non, je l'avais prédit, vous pouvez le dire. Premier round pour l'FC Jojo, on invoque le Ora Ora Ora. On switch directement avec Joe. Joe, qui va jouer à la distance, mais malheureusement, il est bloqué directement par Ichigo. Ichigo qui essaie de jouer à la distance. Il sentait. Ichigo, là. Il ne veut pas. C'est une tête brûlée, hein. Ichigo, oh là là, Ichigo, lui voilà. Directement, qui fait taire tous les détracteurs avec le rush. Derrière la capacité d'éveil, The World. The World qui va toucher le rouleau compresseur. Mouda. Il a arrêté le temps là-dessus. Attention, Joe qui est vraiment très très bien devant Ichigo. Qui décide de rendre l'appareil. C'est raté, malheureusement. Quel dommage, ça aurait pu faire mouche. Et là, Ichigo qui s'entête, Ichigo qui croque. Mouda qui est bloqué. Mudo qui... Il a raison. Il s'entête, il ne laisse pas ses anciens ennemis participer au combat. Ouais, c'est assez dommage, parce qu'Aizen est vraiment très ouais, c'est vrai, et là, regardez, la cohésion chez le FC Jojo, on envoie directement Yugimoto, qui a fait un très très bon travail au round d'avant, malheureusement, il arrive avec 0 barre d'énergie. Yugi, qui joue très très bien avec le magicien des ténèbres, la défense, l'attaque, mais attention, Ichigo, qui réplique, Ichigo qui veut gagner ce round à lui tout seul, mesdames et messieurs, j'ai l'impression, derrière, on a eu 4 permutations d'affilée, c'est exceptionnel ce qui est en train de passer, Ichigo, qui arrive à récupérer le trade, et attention, Silver, le dragon du ciel. Je crois que c'en est fini. Non, Slipper qui n'aura pas permis au FC Jojo de terminer son combat. Derrière, le magicien des ténèbres qui est très très bien mis en mode défense. Et Ichigo. Ichigo, quel roi. Ichigo qui n'a pas laissé sa place. Et il arrive à récupérer un round. Dernier round. Et ils ont deux barres d'énergie. Tout est relancé, mesdames et messieurs. Yugi qui bloque. Ichigo lâche ça. Attention, l'éveil. Et s'il touche, ça peut faire mal. Et non, c'est trop loin pour l'éveil. Yugi qui l'a joué un peu égoïste aussi, mais qui a fait beaucoup de travail. Et on envoie Jotaro directement au Jotaro. Peut-être le Ora qui va être envoyé. Le Ora. Derrière, on change directement avec Joe. L'esprit d'équipe est toujours là. Mais Ichigo est un croqueur.
Le Mouda. Et attention, ça va peut-être lui coûter la victoire pour l'instant. Ce n'est pas le cas, mais il faut laisser les autres jouer. Il faut se reposer, il faut faire tourner l'effectif, bordel. Et Ichigo directement qui joue la distance. Il a réussi à contrer ses adversaires, il a appris. Oh là là, Ichigo qui nous fait taire. Ichigo, quelle technique, quel enchaînement. Et directement, le magicien des ténèbres, Yugimoto, qui apporte énormément dans ce combat. Et lui, qui enchaîne derrière Ichigo, qui prend énormément de dégâts. Oh là là, je crois que ça touche, mesdames et messieurs. Je crois que ça va toucher. Ça a touché. Ichigo. Ichigo. Les dégâts qui sont pas énormes non plus. Et derrière, on va réinvoquer Slifer, le dragon. Ça peut être terminé pour Ichigo. Ça peut être terminé. Il va falloir résister à cette attaque. Et c'est raté. Ichigo qui arrive à se protéger et à esquiver cette attaque. C'est exceptionnel. Attention Ichigo qui fait beaucoup de pas de côté. Derrière, on va réinvoquer Jotaro. Jotaro qui va rentrer. Il est en mode défense, il attend de voir ce qui va se passer. On est sur le enchaîne avec Joe. Et attention l'esprit d'équipe qui va peut-être l'emporter chez le FC Jojo. Mais non, Ichigo qui réplique. Ichigo qui ne lâche pas. Ichigo qui a très très peu. Ichigo qui va tomber. Non, Ichigo. Ichigo qui continue de se battre. Joe. Oh là là, mais qui va gagner, mesdames et messieurs, qui va gagner. On invoque Yugi. Yugi qui a besoin de se défendre. Yugi, le magicien des ténèbres. Oh là là. Yugi Moto, quel joueur! Quel joueur! L'esprit d'équipe! L'esprit d'équipe a payé, mesdames et messieurs! L'esprit d'équipe a payé, et quel début tournant! Yugi, qui on l'a envoyé, on peut dire, je peux citer l'expression, on l'a envoyé au charbon, Yugi. Yugi, le FC Jojo, je pense que le FC Jojo et le FC Yugi, vous pouvez vous serrer la main. Vous pouvez faire un énorme câlin parce que là, c'est l'esprit d'équipe qui a payé. Et malheureusement, Ichigo, qui en a fait qu'à sa tête, mais il était à rien. C'est pas ce qu'on voulait de lui. On voulait qu'il partage un peu. Ah, le problème, c'est que. Il a tous les problèmes tout seul, vous le connaissez. Il a voulu tout faire tout seul, malheureusement. Des fois ça passe, des fois ça ne passe pas. Et là, malheureusement, ça n'a pas suffi pour l'équipe du FC Bleach qui va sortir de ce tournoi. Il y a beaucoup de regrets à avoir. Yugi était à une pichenette de mourir quand même. Il y a eu beaucoup de 1-2, c'est ça qui a fait la différence, la 1-2 entre Yugi et Dio. Ouais, on avait beaucoup de complicité entre Joe et Jotaro. Et derrière, on envoyait Yugi pour créer un peu de distance. On voyait Yugi des très beaux enchaînements défensifs, offensifs. Il a dû faire appel beaucoup de fois à Slifer le dragon. Et ça a payé, j'ai envie de te dire. Même si Ichigo, sur la fin, il revenait très très fort, il aurait dû laisser tourner son équipe. Et attention, mesdames et messieurs, je vous propose d'aller vite à la cafette parce que le prochain combat, ça va pas être des lol. Le prochain combat, on va perdre un énorme candidat au titre. Le prochain combat qui va opposer One Piece à DBZ, mesdames et messieurs. Hashtag SenjuFight pour vos réactions de ce match et pour préparer le prochain match. C'est parti. Oh là, quel début de tournoi, mesdames et messieurs. Quel début de tournoi on va avoir. On a d'ailleurs deux représentants des deux clubs dans le bureau d'analyse. On a Maru, bien évidemment, le roi des pirates, l'un des plus grands fans de cet univers, etc. Et on a Zongo qui va représenter le FC DBZ. Messieurs, qu'est-ce qui va se passer dans ce match? Commence Maru. Moi, je dis que je pense sincèrement qu'on va l'emporter parce que Luffy et Zoro, en fait, c'est le duo de choc. J'ai jamais vu un meilleur duo. Et vous pouvez pas me parler de Goku et Vegeta, ça n'a rien à voir. Luffy et Zoro aujourd'hui vont faire la différence et je sens que ça va. La voix est assez tremblotante de la part de Kanami. On trouve pas les mots. Je suis excité. Bien sûr. Et toi, Zongo, qu'est-ce que tu as à dire pour défendre le FC DBZ? Le FC DBZ, nous pensons que nous allons décimer ces putains de pirates de merde. Voilà, et nous avons fait alliance avec Freezer, et je pense que Freezer va être un atout primordial dans cette guerre. Ok, Rally, peut-être une petite analyse. Toi qui as beaucoup d'expérience dans ce genre de combat, qu'est-ce que tu vas l'emporter là-dedans? Moi, je vois l'équipage des Mugiwara en sachant force. Qu'ils sont avec Barbe Noire, je te le dis. Avec Barbe Noire, oui, bien sûr, bien évidemment. Pour moi, ça va être close, mais
Le pouvoir du fruit du démon de Luffy fera la différence. Ouh, alors je suis pas d'accord. Je le Gomu Gomuno. Je pense vraiment qu'il ne faut pas enterrer Vegeta. Attention, mesdames et messieurs, il y a Vegeta aussi. Vegeta et Barbe Noire, ça va être un match-up très, l'éternel très important numéro 2, ce Vegeta, c'est tout. Oui, mais l'éternel numéro 2. L'éternel numéro 2, mesdames et messieurs, l'éternel numéro 2. Mais qui est numéro 1. Eh oui. Quel numéro 1 alors? On nous fait parvenir des images, Aizen et Itsugaya pendant le fight, hashtag Senju fight, on fait acte de présence, rien de plus. Ah, je peux pas. Et attention, parce que les combattants pourraient mal le prendre, mais oui, là. On peut parvenir à continuer de réagir sur l'hashtag. Si vous n'êtes pas malheureusement dans l'arène, vous pouvez réagir et on vous montrera, vous êtes avec nous, peu importe où que vous soyez, dans le village de Konoha, sur Namek, ou bien à Grand Line, n'hésitez pas à envoyer des tweets, mesdames et messieurs, hashtag SenjuFight. Voilà. Le classico qui arrive, les cafés qui vont fermer. Tout le monde va être omnibulé par ce match. Et là, ça va être dingue. Pas de clim. Luffy, on le rappelle, il n'y a pas 12 heures bracket. Si vous sortez, vous êtes mort. C'est un format assez... La finale avant l'heure en même temps. Assez strict. Donc on va perdre un grand combattant pour le titre. Malgré que je sois du côté de One Piece pour ce combat, ça me ferait tellement plaisir de voir Marwan Sama et que Luffy perdre dès le premier tour. Ah clairement, ça irait directement dans mes veines. On va Barbe Noire. Barbe Noire, on n'en parle pas beaucoup, mais il a une puissance assez exceptionnelle. Hein. Il allie destruction des ténèbres. T'as dit quoi? J'ai dit la même barbe que Bibi, me dit donc sur Twitter. Il a le Goura Goura Nomi. Oui, le Goura Goura Nomi, est-ce que tu peux nous en parler, notamment Marwan Sama, qu'est-ce qui se passe avec ce fruit du démon? Barbe Noire, Marshall Jitich, est le seul être humain à avoir deux fruits du démon. Et je pense que faut pas l'enterrer. Faut pas le sous-estimer. Mais quelles sont les capacités que lui offrent ces fruits du démon, Marwan Sama? On a besoin d'avoir un peu plus de détails. Et est-ce que ça peut contrer justement Goku, qui lui a une puissance phénoménale? Qu'est-ce qui va manquer peut-être au FC One Piece, ou qu'est-ce qu'ils vont avoir en plus que le FC DBZ? Ah, je pense justement que le fruit du démon des ténèbres pourra contrer les gros dégâts de Goku ici. Et de l'autre côté, son fruit du tremblement va pouvoir annihiler la racaille qui est Vegeta avec sa grosse calvitie. Ok, très bien, très bien. Peut-être un petit combat sur le terrain de Konoha, un terrain neutre. Ouais, bien évidemment, la vallée de la fin, ça pourrait être bien. Ouh, ça donne fin à tout ça. Hein. Il peut avoir lieu à Marineford, mais Marineford, ça serait un peu... Konoha, c'est parti. Konoha, terrain neutre, le prochain combat, mesdames et messieurs, aura lieu à Marineford. Grâce à nos technologies avancées, on a réussi à reproduire tous les terrains en un rien de temps au milieu de l'arène, donc voilà. Merci aux équipes techniques. Incroyable. Jump Force qui ont permis ça, voilà. On peut démarrer ce classico de légende. Encore merci à tous de nous suivre aussi nombreux sur ce Senju Fight, et n'oubliez pas de réagir sur le hashtag Senju Fight. C'est parti, Goku contre Luffy à Konoha, qui l'eut cru. Ça démarre directement. Zoro qui peut faire la différence. Zetaini, dit Luffy. Barbe Noire qui est très très grand de taille. On est sur du 2m80. C'est parti, ça démarre directement. Luffy contre Goku. Le combat qu'on en attendait tous. Luffy qui prend un coup directement, mais qui en a mis un. Et c'est très serré, hein, directement le début des deux héros. Mais Luffy qui prend le dessus sur Goku. Goku, on sait qu'il démarre très lentement ce combat. Et direct, on fait appel à Zoro. Zoro qui maîtrise le Nitoryu et le Santoryu Maru. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux techniques? Zoro est un personnage qui peut utiliser 3 épées. Dans la bouche, c'est un truc de fou. 3 épées, on a autorisé toutes les armes. Oh là là, y a attention, parce que là, il peut utiliser 3 épées. Mais là, il est en train de se faire casser la gueule. Et directement, il appelle à l'aide. On invoque Barbe Noire directement. Qui nous fait part ton taijutsu. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fissuré la terre. Qu'est-ce que c'était que ça, Marwan? C'est le Goura Goura Nomi dont je voulais parler. Oh là là, et voilà directement le Kamehameha. Zongo, est-ce que tu peux nous parler de Goku? Goku qui ne veut pas changer depuis le début et qui, voilà, on nous en parlait. Les vêtements de Goku qui sont un peu déchirés, hein. On voit qu'il... Il laisse des traces dans son bain. On nous en parlait directement. Big Bang Attack de Vegeta! Oh là là, les dégâts sont énormes! Et attention, 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 et ça ne touche pas. Oh là là, Vegeta, quelle entrée en matière!
1-0 pour le FC DBZ qui a humilié Barbe Noire. Regardez l'analyse, Vegeta contre Barbe Noire, le combat important. Voilà, Vegeta contre Barbe Noire et Vegeta qui domine. Et là on va faire appel à Freezer. On veut pas trop le fatiguer pour la suite du tournoi, mais il faut quand même qu'il s'échauffe. Donc il va se battre contre Barbe Noire qui veut pas lâcher la grappe. Barbe Noire qui regarde Freezer qui se fout de sa gueule. Freezer qui se fout de sa gueule directement. Il est en train de BM, ça commence à m'énerver. Mais voilà, directement on envoie les disques, les tourniquets. Et Barbe Noire qui se fait mais super dominer. Et il ne veut pas laisser Luffy entrer en combat. Parce que directement, il arrive à mettre énormément de dégâts. Les permutations qui s'enchaînent. Et c'est Barbe Noire qui remporte le trade. Directement, Luffy qui va revenir dans le combat. Luffy qui doit tout donner. On peut pas sortir sur un 2-0. On peut pas sortir sur un 2-0 pour les FC One Piece, bien évidemment. Goku qui est renvoyé directement pour contrer Luffy. Luffy qui met beaucoup de dégâts. Et le Red Hawk qui va toucher directement Goku. Vegeta, il y a tout dans cette équipe. Vegeta qui revient, et voilà, Gomu Gomu no Red Hawk pour Luffy. Oh là là, Vegeta qui prend beaucoup de dégâts, c'est lui qui a apporté cette fantaisie, cette vigueur directement dans le premier round. Et il revient avec la même technique, le Big Bang attaque. Luffy qui prend pas énormément. Vegeta, Final Flash, pardon. Il ne court pas après un trésor qui est l'amitié, les amis. Bien évidemment, Vegeta qui court après la place de numéro 1 et Zoro. Zoro, Centauriou. Oh non, il va le faire. Il a capacité en mode éveil, ça n'a pas touché. Et Vegeta qui a senti le coup arriver, qui a bloqué. Directement Barbe Noire qui va reprendre le combat. Ça avait touché en effet, je pense que c'était fini. Barbe Noire qui rentre. Barbe Noire qui s'est fait fumer, Barbe Noire qui a un peu trop bu avant le combat. Et ça va toucher, ça va pas toucher, non. Mais Luffy qui rentre, Luffy qui a perdu son t-shirt, Luffy qui passe en mode éveil. Et peut-être le Gear Secondo, le Gear Force aussi qui peut être utilisé. On le rappelle, c'est une de ses techniques les plus populaires. Et le FC One Piece qui enchaîne. Grâce à justement le duo Luffy et Zoro, mesdames et messieurs. Ok, Vegeta qui reprend les choses en main. Zoro qui avance. Attention. Final Flash directement. Final Flash, les dégâts sont énormes. Zoro qui serait ratatiné en ce début de dernier round. Le Final Flash, il met mid life. Attention. Ouais, c'est ça. Oh là là, l'enchaînement. Renoir Zoro qui se fait malmener en ce début de combat. Et là, il va réessayer. Le Centauriou qui va toucher. Les dégâts sont énormes, mesdames et messieurs. Les dégâts sont énormes. Mais faudrait peut-être penser à changer. Non, Zoro qui direct enchaîne. Vegeta qui se fait laminer. Vegeta qui arrive à contrer et à reprendre le dessus dans cet échange. Mais Zoro qui reprend directement la supériorité. Les dégâts sont énormes, Zoro incroyable, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Attention, le Final Flash. Le Final Flash, je crois qu'il a fait mouche. Il a fait mouche, mais ça va. Il a pas pris la totalité des dégâts. Il n'a pas pris la totalité des dégâts. Oh là là, Vegeta qui spam, le Big Bang attaque directement. Qui va toucher Zoro qui prend énormément de dégâts. Vegeta qui donne tout dans ce dernier combat. Zoro qui prend énormément de dégâts, le Big Bang attaque. Zoro qui va tenter le Centauriou. Le Centauriou final. Il y a tout dans Vegeta, il y a tout. Les esquives, c'est terminé. Un seul nom, Vegeta. Un seul nom, Vegeta. Vegeta, mesdames et messieurs, qui est venu annihiler les pauvres marins, mesdames et messieurs. Les marins de seconde zone vont retourner à la pêche. On va faire 2-3 musiques sur un bateau et on ferme sa gueule, d'accord. Doucement, les termes sont rudes, on a quand même des téléspectateurs à Grand Line. Mais quel combat, mesdames et messieurs, quel combat. Maru nous qualifie ça de classico. Il kite comme une salope alors que c'est le prince des Saiyans. Barbe Noire qui a hit. Non, par contre, on faisait saboter. Comment Luffy peut. Excusez-moi, Maru, mais comment Luffy peut espérer être le roi des pirates s'il peut pas battre le prince des Saiyans? Eh oui. C'est pas le problème. Luffy n'est pas le problème actuellement. Le problème, c'est. Mais c'est ça, à chaque fois, on fait ça la même chose. C'est comme pour Messi ou FC Barcelone, c'est jamais lui le problème. Mais à chaque fois, c'est toujours le même résultat. C'est la défaite, mesdames et messieurs. Mais alors, il est où le problème? Le problème, c'est Barbe Noire. Moi, je te le dis, le problème, c'est Barbe Noire et le fait que Vegeta, il n'a pas porté ses couilles. Les amis, il y aura d'autres Senju Fight, on verra si. Ah, bah, on verra. On pourra débattre. L'équipe One Piece est la plus grosse déception de ce Senju Fight, on peut le dire, les amis. L'équipe One Piece a fini au même rang que le FC Hunter x Hunter, mesdames et messieurs. Je tiens à le rappeler quand même, le FC Hunter x Hunter qui n'ont zéro expérience. Et ils ont réussi quand même à finir pareil. Mais on verra peut-être une autre composition d'équipe pour le retour du FC One Piece. On demandera directement à eux.
de faire confectuer leur équipe. Encore une preuve que l'expérience et l'ancienneté jouent beaucoup. Exactement. Sachez que durant ce combat, nous avons décidé de laisser Vegeta s'occuper du FC One Piece solo et de reposer Goku et Freezer. Oui, Goku et Freezer qui vont être des éléments très importants. Il y a eu un pic sur sa calvitie et ça lui a pas plu. Ah, il s'est énervé. Laissez-les-moi ces petits nabos là. Exactement. Moi je pense que Vegeta était en forme comme ça car il a mangé un couscous de Bejaïa avant de venir. Ah, Bulma qui a fait le meilleur. Bulma qui a fait un très très bon couscous. Quel halal. On va aller voir les réactions sur le. Il a saboté, je suis dégoûté. On va aller voir les réactions sur le. Sur le hashtag. Quel rogne, un bouchetron, il est venu bourrer sur le terrain, ça me dégoûte. Ah, mais Vegeta, il avait mangé la Hades aussi. Hein, c'est Vegeta, il est kaité, frère, il tirait de loin, frère, quel salope lui aussi. Le prince des Saiyans, il était en Super Saiyan et quoi? Il a des boules de feu, frère, allez, va te faire vendre. Dégoûté. Excusez-moi, mais ce qui compte, c'est la victoire et l'éternel top 2 qui a battu l'éternel top 8. Hein. Là, c'est le tournoi. Ah putain. Ah, bien joué, bien joué. Et voilà, on a une petite vidéo de la participation de Barbe Noire au combat. On va pouvoir regarder ça. Son entrée en combat est plus exceptionnelle. Hein. On a des images. Il est venu mettre son gros ventre et il se faisait taper. On a des images, on a des images. Mafia de reporter sur place. Et voilà, fin du match. Voilà la participation dans le combat. Oh putain. Ok, prochain combat, même si le classico fut exceptionnel, il y a quand même d'autres combats qui arrivent. Qui est-ce qu'on va avoir directement? J'essaie de voir. C'est l'entrée des princes du FC Naruto. Oui, l'entrée, le dernier combat qui va opposer, encore une fois, il y a quand même beaucoup d'expérience dans le FC Naruto qui va affronter le FC Pichun, le FC My Hero Academia, des nouveaux arrivants. Mais attention, parce qu'ils ont à leur côté, ils ont à leur côté un certain All Might. Est-ce que tu sais qui c'est, Rally? Ah, malheureusement, je sais qui c'est. C'est un super héros. Le héros de la nation, c'est le numéro 1, tu peux le dire. Oui, c'est cette énorme touche d'expérience parmi. Après, il faut héros. Le dire, il y a moyen que Izuku Deku fasse la différence parce que ce petit bonhomme est un boosté et ça peut-être jouer aujourd'hui. Maro, s'il vous plaît, on sait. Parce qu'il n'a pas son paquet de Doritos. Oui, exactement, mais on rappelle qu'il a le Detroito Smash. Et ça peut faire la différence directement. Et Shoto aussi, hein. Shoto, on n'en parle pas beaucoup, mais il a pas mal de puissance hein, quand même. On altère, n'en parlons même pas. Qui m'a glace dit, le feu. Shoto qui m'a dit en interview qu'il était on fire hein, pour ce match. Attention parce que... Que dire de l'équipe qui arrive, hein. L'équipe de Naruto, même si le Madara a un peu de bide sur cette édition, mais... C'est vrai que là, Madara qui s'est un peu relâché en vacances, hein, on peut le dire. L'armure, elle est serrée, là. Mais bon, on connaît l'expérience. Ça m'a fait Lazare, quoi. Exactement, un certain Eden Hazard. Après chaque été, voilà, on voit que voilà, la Lubia a été bonne cet été. Wow. Troisième des tendances et ça va démarrer à Marineford. Le combat aura lieu à Marineford, mesdames et messieurs. Moi, je pense que ce qui peut être game changer, c'est le Rinnegan de Sasuke. Oui, c'est vrai que le Rinnegan de Sasuke, Susanoo aussi. On a Kyuubi qui peut être invoqué de la part de Naruto pour venir l'aider dans ce combat du côté de MHA. J'arrive pas à trouver vraiment les forces hors... comment il s'appelle, All Might, tout simplement All Might qui peut vraiment All Might qui peut vraiment faire la différence à lui tout seul. On a vu des combattants plutôt égoïstes, etc. Lui, il peut vraiment tout faire tout seul. Donc on va voir. On peut aussi dire que du côté de MHA, on a une cohésion, telle une relation père-fils entre All Might et Deku avec l'alter qui les unit. Exactement. Et ça démarre, mesdames et messieurs, à Marineford. FC Naruto contre FC MHA, c'est maintenant. Naruto, Sasuke, Madara contre Deku, Shoto et All Might. Quel combat on va avoir directement les deux protagonistes, Deku contre Naruto. Compris, je prends le commandement. Allez, je meurs d'envie de me battre, nous dit Naruto. Oh là 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 là, Naruto et Sasuke. Allez, let's go.
Et ça démarre. Round 1. On voit de la glace directement, des séquelles qui étaient restées dans les yeux. On est à Marineford, mesdames et messieurs. Vous reconnaissez souvent, sûrement l'endroit. C'est un des endroits favoris du FC One Piece qui est sorti au premier tour du combat. Du tournoi. Deku qui va se battre contre Sasuke. Et directement, voilà, la superstar de cette équipe, All Might, qui directement Detroit Smash. Malheureusement, c'est esquivé par Sasuke. On envoie Madara directement, le vieux de la vieille. Même s'il a un peu de bidon, on voit qu'il est très rapide sur ses enchaînements. Ça n'a jamais changé. Et All Might qui se fait prendre. C'est une leçon. C'est une leçon, le début de ce combat. C'est une leçon, le FC Naruto. Ciel. Directement, oh là 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 là, quel dégât! Naruto qui se transforme directement. Oh là là, All Might qui se fait malmener. Et directement, il décide de répliquer. Et non! Et non, le Rasengan! Tu auras raison de lui, Sasuke qui est réinvoqué d'une manière défensive. Detroit Smash, Sasuke qui reprend beaucoup de dégâts. All Might qui essaie de tout faire tout seul. Mais est-ce que ça va, est-ce que ça va suffire? Il veut montrer l'exemple. Et pour l'instant, il montre rien du tout. Madara, All Might, Madara, All Might. Oh là là, c'est trop. Premier round récupéré par le FC Naruto. Quelle leçon. Quelle leçon, mesdames et messieurs. Et on n'a toujours pas vu Shoto. Hein. Oh là 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 là, les dégâts qui sont énormes. Madara. Oh là 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 là, c'est trop. L'une des pires performances de l'histoire du Senju Fight. Peut-être un perfect. Bien l'impression. Ah non, pas de perfect. Et voilà. Peut-être Shoto. Peut-être. Peut-être Shoto qui peut venir apporter une différence. La glace pour se protéger. Directement, on va peut-être utiliser Susanoo. Et voilà, ça a touché la glace. Ice. Madara qui ne pouvait plus bouger. Et voilà, on a peut-être trouvé un contre à Madara du côté de Shoto qui utilise beaucoup de la glace. Surtout qu'il y a de la glace sur le terrain. Donc ça va l'aider. Et voilà, Shoto qui prend les devants. On invoque des coups directement. Des coups qui met énormément de dégâts. Il met énormément de coups. Et attention, Madara. Il va directement répliquer et ça va toucher. Oh là là, Susanoo. Le perfect Susanoo, mesdames et messieurs, Deku qui va se faire découper. Ouah, les dégâts. Les dégâts qui sont énormes. Et derrière, le one for all qui va toucher Madara. Le déloir Detroit se mâche. Les dégâts qui sont un peu plus faibles. Et attention parce que Deku qui se blesse en utilisant ses capacités. Et on le voit, hein, il saigne de partout. Madara contre Deku. Madara qui va reprendre ses distances. Il faut pas non plus, prendre trop de risques. Il faut pas trop s'amuser. Il faut pas trop jouer avec la nourriture parce que Deku qui commence à vouloir en découdre. All Might. Oh, attention Madara. Le Susanoo, faut pas qu'il touche, faut pas qu'il touche. C'est terminé, mesdames et messieurs. Madara qui s'est amusé avec la nourriture. Il s'est amusé, mesdames et messieurs. Mais ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Et est-ce qu'il va regretter son choix? Est-ce qu'il va regretter son choix? Attention, on a All Might. All Might qui se défend comme il peut. Le contre, la contre-attaque rapide d'All Might. Un coup pour All Might. Et il arrive à aller chercher un round. Pour l'FC MHA, alors peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être, ils se battent. Ils se battent, ils manquent d'expérience, mais ils se battent directement. All Might qui va se faire contrer par Madara. Madara qui va mettre énormément de dégâts. Derrière, on fait rappel à Naruto. On fait rappel à Naruto. Naruto qui va mettre beaucoup de dégâts à All Might, la droite, qui fait très très mal. On l'envoie valser. On l'envoie valdinguer. Et ça peut être imperfect pour l'instant. Et non, et voilà. On réplique du côté d'All Might. United States of Smash! Son attaque tout droit des États-Unis, tout droit de Brooklyn. La droite de Brooklyn, on l'appelle. Tu lui as mis une bastos. Le Rasengan, l'orbe tourbillonnante. All Might qui donne tout. All Might qui donne tout. All Might qui donne tout, mais derrière, on va faire appel à Kurama! QB! Les dégâts vont être énormes, mesdames et messieurs. Et non, la défense. Waouh, il était en train de se défendre. Mais derrière, il va répliquer quand même. Mais quelle défense. La glace et le feu. Les dégâts. Waouh. Il était en train de se défendre quand même. Mais ça a brisé la défense, mesdames et messieurs. Naruto qui vient mettre un terme, peut-être, à cette vaste blague. La Detroit, le Detroit Smash, les dégâts. Attention, c'est pas fini. MHA n'a pas abandonné. Le MHA n'a pas abandonné. Des coups. Deku qui prend le Rasen Shuriken. Derrière, on va faire rentrer Sasuke qu'on n'a pas beaucoup vu hein, dans ce combat. Il se préserve sûrement pour la suite du tournoi. Et attention, Detroit Smash. Les dégâts qui sont pas mal, les dégâts qui sont pas dégueux. Attention, FC Naruto. Hein. Il en faut peu encore. Sasuke, la prise. Permets-moi d'abréger tes souffrances, le Shidori. Shidori accompagné du Susanoo.
accompagné du tactique match d'usage Lino Kami. Voilà, gamin. Voilà. Quel fin de match, quel fin de match. Vous pouvez danser. En tout cas, le FC Naruto qui avance au round d'après, le round suivant qui va être incroyable. Il a failli y croire, bravo à eux. MHA qui ne sont pas venus faire de la figuration, même si on pouvait penser ça au premier round. Par rapport à Hunter x Hunter, là, il y a eu une révolte de All Might, de Deku, de Shoto qui ont tout donné. Malheureusement, ça n'a pas suffi, mais ils n'étaient pas loin. Ils n'étaient pas loin de remporter leur premier combat au Senju Fight. Et le FC Naruto qui l'emporte. Le FC Naruto des habitués du Senju Fight. Hein. Oui, des habitués. Je reste un peu sur ma fin, moi, sur All Might. Il m'a un peu déçu. Ouais, régulier dans son combat. Et une très, très peu de maîtrise en vrai. Bah, le problème d'All Might, c'est qu'il disait qu'il connaissait pas tous les haltères des opposants. Donc, il a sûrement été un peu surpris. Il y a eu besoin d'un temps d'adaptation. C'est peut-être ce qui leur a coûté le match. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Rally, ton FC qui l'emporte? Alors. Moi, déjà très très heureux, très fier de mon FC. Et ensuite, j'aimerais dire que la pire performance qu'on a vue pour l'instant est celle de One Piece, Marwan-sama, qui les a complètement éclatés, Marwan-sama. Ah, oui, on pas dit beaucoup son blast quand même. Mais il est amoureux de moi. Le FC Hunter Center a été déplorable. Le FC Hunter Center, oui, qui a été la pire perf. By far. On a l'arbre des demi-finales. On va aller voir quelques réactions, mesdames et messieurs. Quelques réactions en attendant, bien sûr. Aller puiser un peu plus dans la force de Shoto, je pense, pour ce combat. Ouais, Shoto qui a fait une bonne action en matière. Shoto qui avait des très bonnes stats. Hein. Et on nous dit. C'est ton rêve, à 80 ans, tu t'es trompé de rêve, Harry. MHA qui se sont. Tu t'es trompé de rêve, Harry. C'est ce qu'on nous a dit pour. À 80 ans, All Mighto. Ton rêve, c'était de. Voilà, All Might quand même qui commence à se faire vieux et on lui a envoyé directement une pique. Continue les amis. Ouais. C'est vieille carcasse, il s'est trompé de rêve, fallait laisser sa place. Et les places coûtent cher au Senju Fight. Exactement. Il risque pas de revenir dans cette carte de sitôt. Quoique. Ah là 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 là, quel combat, on va aller voir vos réactions. On est combien en termes de tendance? Troisième en termes de tendance. On voit que ça continue hein. On voit que ça continue beaucoup de danse. N'oubliez pas les amis, comme chaque semaine, un an de ramen est à gagner. À récupérer bien sûr dans le village de Konoha. Bien évidemment, un an de ramen. On peut vous le faire livrer, Bien entendu, bien entendu. L'année dernière, le gagnant c'était Bekog11. On va voir si ça va retomber sur lui par pur hasard. On a eu un tweet de Naruto. Good match, SO, my boy, hashtag Senju Fight. Merci à lui. Voilà, hein, Il est heureux de son combat, c'est vrai qu'il a beaucoup apporté Naruto dans ce combat, si on peut en parler. Beaucoup de dégâts, il a pas pris beaucoup de dégâts en contrepartie. Il a invoqué Kyuubi, du coup ça se passe bien pour le FC Naruto. Qui se sentent bien dans leur tournoi, mais attention parce que le prochain combat, ils vont faire à du gros, à du lourd. C'est ça qu'on aime, à du lourd. La réaction d'après-match de tous ces différents combattants. Et merci à eux en tout cas de nous délivrer un tel spectacle. Merci à eux. Alors qu'on arrive, les amis. Envoie-moi sur Twitter. Je t'envoie sur Twitter. Encore un tweet sensationnel sur ce hashtag. On va regarder un peu de réaction, bien évidemment, on a beaucoup enchaîné les matchs. On nous envoie ça directement. Attendez. Merci à vous, en tout cas, de contribuer à ce grand événement. Alors, la citation c'est All Might quand il s'est incrusté dans la team MHA, hashtag Senju Fight. On va regarder la vidéo tout de suite. Toi, t'es un menteur. Arrête de mentir. Qui lâche toi? J'ai 4 ans. Non, t'es un menteur. Toi, t'es un menteur, toi. Arrête de mentir. J'ai 4 ans. Qui lâche toi? Voilà, vous êtes très très drôle, hein, continuez comme ça. c'est dur pour les combattants, mais bon, All Mighto il a l'expérience, il s'en remettra. Exactement. Les amis, on arrive aux demi-finales de ce Senju Fight. On arrive aux demi-finales. Est-ce qu'on a l'avancement Tout est en régie. Tout est en régie, bien sûr. Oui, mais la régie ne m'a pas figuré le... J'aimerais bien avoir la suite de l'arbre, c'est ça que je voulais dire. Bien sûr, je vous envoie ça. Bah, c'est au-dessus, c'est juste au-dessus du dernier tweet en régie. Ah oui, très très bien, c'est vrai.
On a l'avancement. On remercie encore une fois notre présentateur charismatique. On remercie tout le monde. Kameto Senju pour. Kameto Kun. Et voilà, on a l'avancement du tournoi. On voit. Ah, ok. On voit qui est avancé et qui n'est pas avancé. On a Terre à l'époque, on les a oubliés, mais ils ont fait une très très bonne entrée en matière. Qui va affronter Dragon Ball Z. C'est un peu le duo des anciens. C'est un peu le duo des anciens. Les vieux vont se régaler. Ah non, vive Terre à l'époque, on est avec eux là. Terre à l'époque. Marouki est un peu le seum peut-être de la sortie. Ouais, énormément le seum. Un peu dégoûté. Prématuré de du FC One Piece, ouais. Ouais, exactement. En face, moi je vous le dis, ça va être un des meilleurs combats du tournoi. Et de loin, on va avoir Seiya, Shiryu et Ken le survivant contre Sangoku, Freezer et Vegeta. Et de l'autre côté, l'autre demi-finale qui va opposer Jojo X Yu-Gi-Oh face au FC Naruto. Le FC Jojo X Yu-Gi-Oh qui a montré une très bonne symbiose et beaucoup de teamplay dans leur combat. Pareil pour Naruto, ça va être un combat au sommet. Ouais, ouais, c'est ça. Après, je sais pas exactement quoi penser du Jojo X Yu-Gi-Oh vu qu'il était un peu 3v1 à cause de Ichigo. Ouais, c'était un peu 3v1, mais Ichigo, les amis mal. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag SenjuFight, bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à envoyer le pari. Le pari pour le match à suivre qui opposera Terre à l'époque à Dragon Ball Z. Et quel match. Quel match. Je le rappelle. Si vous voulez assister à tous les SenjuFight. Et que vous n'avez plus besoin de payer votre ticket, vous pouvez prendre votre abonnement Prime. Bien évidemment, il peut être gratuit, c'est très simple. Il faut se rendre au guichet et ensuite il y a une petite manipulation sur l'écran à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut nous répéter? C'est très simple, cher ami. Tu cliques sous le lecteur diffuseur sur s'abonner, le bouton violet. Ok? Ouais. Une fois que c'est fait, 2-3 coups de molette vers le bas et tu cliques sur s'abonner gratuitement. Bizarrement, tu te exactement, fais. Exactement. Et ça te permet d'avoir un accès au stade pendant un mois. À ce stade, bien sûr, hein, pendant un mois. Renouvelable tous les mois, bien évidemment. Hein, il faut bien payer l'équipe technique et la création de terrain grâce à nos technologies. Et aussi, bien évidemment, qui opère. Hein. Et bon, sans plus attendre, après cette petite pause, on va avoir de lieu à Terre à l'époque contre DBZ. C'est maintenant, mesdames et messieurs. Quelle demi-finale. Ils en ont fait couler de l'encre, hein, ces deux demi-finalistes. Non, les gars, le format ne changera pas avant la finale, mesdames et messieurs. Tout a été noté sur contrat, on peut pas changer comme on a envie. Bien sûr. Hein, quand on les fait participer, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de négociations et on peut pas changer les règles en plein tournoi. C'est indécent. Vous inquiétez pas, peut-être qu'on pourra réadapter en fonction de vos retours les différents formats. Bien sûr. Alors, on avait dit, le FC était à l'époque. On va convoquer tout de suite. Ah, ils ont beaucoup donné quand même sur le premier combat, mais ils ont eu le temps de se remettre. Hein. Ça fait un petit moment qu'il a eu lieu. J'espère qu'ils sont pas encore morts. Hein. Non, ils sont là, ne t'inquiète pas. Je suis parti les voir. Rond Ken, je crois qu'il a du mal, Ken. Ah, tu l'as passé. Ah oui, bah il était juste à côté, Ok, et en face, DBZ, très simple. Dernier combat a eu lieu à Marineford, est-ce qu'on les ferait pas combattre à Los Angeles, tiens. Ouh, un cadre idyllique. Los Angeles, des immeubles. J'aime bien aller sur l'île Tugato après. Le prochain combat. De raviver nos papilles gustatives. Et exactement, et de donner aussi aux gens d'aller à la fête. N'hésitez pas, on a plein de pâtisseries. Bien évidemment. L'équipage justement de Big Mom qui est venu nous aider à remplir tous les petits snacks autour du terrain. Donc grand merci à eux. Robin qui a dû se trouver un génial qui est au coin du bistrot. Okay. Oui, Robin qui a dû se trouver un boulot à la cafette parce que son capitaine a perdu. On le rappelle. Bien entendu. Hein. En tout cas, c'est parti, mesdames et messieurs. Première demi-finale qui oppose le FC Terre à l'époque face au FC DBZ. C'est parti sans plus attendre. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Vegeta, cette fois? Allez, c'est Vegeta! Seiya contre Ken, Goku. Ken va être décisif. Dans la défaite ou dans la victoire? Est-ce que Vegeta va pouvoir nous faire la même performance? Il a beaucoup donné au combat d'avant. Mais justement, on a cherché à préserver Freezer et Goku. C'est leur moment directement.
Oh là 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 là, le contre parfait pour Seiya qui démarre sur les chapeaux de roue, mais directement Goku qui se laisse pas faire et qui enchaîne. Qui enchaîne, très très bon enchaînement. Le Kaioken. Le Kaioken. Le Kaioken directement. Shiryu qui a été invoqué, il a déjà perdu un bout de son armure et va devoir se battre. Et directement, on va faire appel à la sagesse et à l'expérience. Ken le survivant qui n'arrive pas vraiment à survivre face à Goku qui enchaîne. Et s'il arrive à permuter, à se placer derrière Goku, Goku qui prend très très cher, mesdames et messieurs. Non. Et c'est oh là 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 là. Quelle esquive, quelle esquive. Quel esquive. Et il attendait directement. Le point descend déchiré, renvoyé par Ken. Ken, les dégâts qui sont énormes et directs. Sans Goku. Sans Goku qui revient. On va directement appeler Seiya. Seiya qui a encore toute son armure. Il va pouvoir se battre au maximum. Le Kamehameha qui fait beaucoup beaucoup de dégâts. Mesdames et messieurs, Goku qui est en train de porter son équipe. Goku qui ne veut pas changer. Mais derrière Pégase. Oh là là, le FC était à l'époque. Seiya. Et voilà, on invoque la superstar de l'équipe des BZ. Mais le contre parfait. La flèche pour contrer le Garlic. Quelle dinguerie de Pégase. Le canon Garlic qui a été contré. Pégase qui a mis énormément de dégâts. Et voilà, le final flash. La technique qui a apporté la victoire. Est-ce que ça va finir? Et ça va finir, Vegeta. Quel combat. Le final flash. Quel combat d'anthologie encore. Il allait se faire foutre un peu. Oh là là, les dégâts sont énormes. Mais voilà, Vegeta directement. Vegeta qui va direct infliger d'énormes dégâts. Le rush de Pégase qui ne va pas passer malheureusement. Vegeta l'enchaînement est très très bon. Vegeta l'enchaînement est très très bon. Ils n'ont pas encore perdu d'HP directement. L'éveil. La flèche dorée qui va être dans la bouche de Freezer. Mais Freezer qui a su contrer avec quelques disques tourbillonnants. Oh là là, et Freezer qui utilise son laser, les dégâts sont énormes. Seiya qui se retourne. Seiya qui a débloqué ses ailes, hein. il peut désormais voler. Freezer qui a perdu un bout de queue. Shiryu qui va intervenir. Shiryu, que va-t-il faire? Que va-t-il faire? L'enchaînement est en plein in. Ah, Shiryu qui prend beaucoup de dégâts. Et voilà, on refait appel à Goku. Un peu le carry de cette équipe lors du premier round. Et Vegeta directement. Et il abuse. Le final flash à la retombée. Shiryu qui ne peut rien faire. On change pas une équipe qui gagne. Oh là là, Shiryu qui remet son armure. Les dégâts, rien du tout. Rien n'a été touché. Rien. Ouais, loup. Et attention, Shiryu qui est en armure dorée. Shiryu qui fait beaucoup de dégâts. Freezer qui prend l'enchaînement. Freezer qui continue de se faire enchaîner. Derrière, on va faire peut-être appeler Ken. Non, on appelle Sangoku pour sauver les meubles. Le FCT à l'époque qui ne s'avoue pas vaincu. Le Kamehameha de Goku qui va mettre très très cher. Shiryu. Ah là là, Sangoku. Sangoku qui fait tourbillonner le FCT à l'époque et qui l'envoie au tapis. En finale. Et oui. Voilà, 2-0. 2-0 pour le FC DBZ. Le MVP à Vegeta. Hein. Je sais pas trop parce que Goku a beaucoup apporté en premier round et il arrive à venir terminer ce que Vegeta n'a pas pu faire en deuxième round. Moi je trouve qu'il y a une très bonne entente. Le premier round a été un peu sauvé comme par Vegeta quand même. Ouais, après Freezer on l'a envoyé au charbon, on l'a changé au moment où il y avait la flèche divine donc il se l'est prise en pleine gueule. C'est pas la meilleure des manières pour entrer dans un combat. Au final, ça fait 2-0 pour le FC DBZ qui a l'air très très fort là dans ce tournoi. Quelqu'un? Nous sommes très fiers de ça. Il y a personne qui veut reprendre ce pioche. Ouais, voilà, donc t'es fier de ton équipe. J'attendais une transition, voilà, il y a personne. Je suis assez déçu, franchement, c'est pour ça que j'étais un peu bouche bée. On a eu un petit avantage. J'ai cru jusqu'au bout pour l'équipe à l'époque, mais je pense que Ken le survivant était la clé et qu'on n'a pas assez utilisé. On l'a pas assez utilisé. On a eu un premier combat assez facile, on a pu s'échauffer tranquillement, c'était cool. Et on a pu s'échauffer. C'est normal, vous aviez pas vraiment d'adversaire au premier match, donc... Et préparez-vous les amis, vous pouvez rejoindre la cafette tout de suite, parce que le prochain combat va faire éclater des débats. Le FC Jojo contre le FC Naruto, mesdames et messieurs. On peut dire que c'est deux des plus grosses fanbases hein, de ce Senju Fight.
Qu'est-ce que vous attendez de ce combat? Le FC Naruto va montrer sa suprématie. J'ai confiance en mes poulains. Le FC Naruto et rien d'autre. N'hésitez pas à spammer le chat avec les émotes du FC Naruto, mesdames et messieurs. Car oui, on va gagner ce combat dans les tribunes et dans le stade. Hey, on a eu une photo justement de Freezer après le combat. Je vais vous la montrer tout de suite. Ah, il n'a rien apporté. Hein. Ah, il était nul. Oh là là. Avec des lunettes de mytho. Le FC Tarlépoque, on a un fan du FC Tarlépoque, un vieux qui nous a envoyé ça pour leur faire parvenir directement. On va le regarder. Frère, t'es là avec des lunettes de mytho, t'as l'âge à mon père. Hachem! Ah merde, t'es fini, j'ai cru. Ah merde, non, mais moi je crois que c'est fini. Hachem! Ça y est, t'as fait ton temps, t'as cartonné, tout. T'es vieux maintenant, Rahi. Arrête, Hachem! Frère, t'es là avec des lunettes de mytho, t'as l'âge à mon père. Hachem! C'est bon, t'as cartonné, t'as fait ton temps, c'est ce qu'on leur dit. Et c'est une. Noir, hein, pour les EHPAD. Et c'est une vérité, c'est une vérité. Après, ils ont fait un bon tournoi quand même. Hein. Un très beau top 4. Hein, ça. Top 4 quand même de Senju Fight. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Bon, mesdames et messieurs, on a assez rigolé. C'est pas One Piece, en tout cas. On a assez rigolé. Et là, on va avoir droit à un combat d'anthologie. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de forcing quand même sur le FC One Piece. Focusons-nous tous sur la même racaille qui est le FC Jojo, mesdames et messieurs. Clairement, les animes de Le FC Jojo qui est en masse, en masse, en masse dans le terrain. Ils nous font chier. C'est les racailles dans le terrain. Merde, attends, c'est pas ça l'équipe. C'est le FC Jojo qui a fait une très très belle performance sur ce premier match. Bah, un excellent esprit d'équipe, hein. Bleach, le FC Bleach qui... Bleach qui est un PayPal et qui est très fourni après ce combat. Ichigo, Ichigo qui est un peu abusé quoi. Il va s'acheter son Ichigo qui est un peu abusé. Et là, on va avoir droit aussi à le FC Naruto qui a fait vraiment l'une des plus belles perfs du tournoi pour un premier match. On peut le dire. Vous parlez du FC Jojo, mais vous oubliez Yugi quand même. Ah, Yugi qui a beaucoup apporté. Des grosses qualités, grosse qualité. Le magicien des ténèbres, tout le monde est venu l'aider, franchement, un monstre. Et ouais, on me dit dans l'oreillette que la finale aura lieu en best of 5 plutôt qu'en 3 rounds. Ça sera en 5 rounds, mesdames et messieurs. Voilà. Le combat qui aura lieu au Mexique. Est-ce qu'il y aurait pas celui qui donne fin là avant la finale? Ouais, pourquoi pas. Je vais changer de cadre et d'être dans un cadre un peu plus idyllique. Mais il est où, wesh? Une idée, mon bon ref. Allez, l'équipe technique me dit qu'on n'y a pas accès et qu'elle justement sera disponible pour la finale. C'est parti, le Mexique. Alors où va-t-on? Au Mexique. Au Mexique, ok. FC Naruto versus FC Jojo X Yugi. C'est parti, mesdames et messieurs. On va faire dans l'arène DPZ de la finale. Tu veux qu'on voit qui est le plus fort? Allons-y, je me rends envie de me battre, nous dit Naruto. C'est parti, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes chauds dans le stade. C'est parti, Naruto directement qui entame les hostilités. La très belle protection de Jotaro. Et on voit directement l'esprit d'équipe qui est invoqué. On invoque Joe qui va utiliser son Medamedamedama. Non, absolument pas. J'ai déjà connu mieux, nous dit-il. Et on voit l'esprit d'équipe. Hein. On échange beaucoup des deux côtés. Muda. Sasuke qui a une très très bonne défense. Le Katon. Sasuke-kun et voilà, Yugimoto, voilà, directement on a déjà vu trois personnages du côté du FC Jojo. Yugi qui arrive à faire la différence directement, Sasuke. Oh, attention le Chidori. Le Chidori qui est bloqué, Yugi, quel tournoi. Quel tournoi, il nous fait peut-être l'un des meilleurs joueurs de ce tournoi avec son magicien des ténèbres. On sait qu'il a sifflé le dragon. Il a tout dans la prise. Oh là là, et voilà son atout. Slipper, le dragon du ciel. Il nous l'a sorti maintes et maintes fois, hein, contre Ichigo. Et Sasuke qui la prend en pleine face. En pleine face. Alors attention, l'Amaterasu. La lumière céleste. Et on se protège avec les flèches de Yu-Gi-Oh. Oh là 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 là. Yugi, c'est incroyable.
Mais quel match, quel match. Quel match, Yugi, quel tournoi. Et on retiendra sa performance. Hein. Sasuke qui a un peu mal à son ego, il ne laisse pas ses alliés participer. Et il a raison parce qu'il démarre directement avec un grand Chidori, accompagné du Susanoo. L'attaque céleste qui va faire énormément de dégâts. Le Takemisashi no Chumi, c'est parti. Yugi qui perd énormément d'HP. Et direct, on va re-invoquer Slipper, le dragon du ciel. Mon frère, sa carte, je vais lui déchirer, lui, il a que ça, wesh. Il a que ça, ouais, mais le magicien des ténèbres et les flèches célestes aussi, t'en as pas beaucoup parlé. Slipper, et voilà, les flèches célestes qui servent de défense. On invoque le magicien des ténèbres derrière pour mettre beaucoup de dégâts. Le magicien des ténèbres qui va venir bloquer. Sasuke, malheureusement, qui va pas toucher sa prise. Le magicien des ténèbres qui bloque et qui il contre-attaque. Attention, le Chidori. Sasuke qui force et ça passe. Les dégâts qui vont être énormes. Le Takemikazuchi no Kami. Il va faire énormément de dégâts sur Yugi. La star du Chihuahua qui répond présent encore une fois. Exactement, le Katon qui va faire mal. Et Yugi qui ne veut plus laisser le FC Jojo participer. Mais bon, après ce qu'il a apporté dans ce tournoi, c'est un peu normal d'avoir confiance qu'en lui-même. Amaterasu qui va toucher. Et attention, Yugi doit s'en sortir. Et voilà, Yugi qui va invoquer Slipper, le dragon de ciel. Et peut-être qu'il peut comeback ce deuxième round. Et peut-être 2-0. Et non, l'Amaterasu. Sasuke qui a directement contré, ça fait 1-1 mesdames et messieurs, voilà, dernier round. Et là je suis un peu déçu de la part du FC Jojo, voilà, directement on refait appel à l'esprit d'équipe. Le voilà, 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 voilà qui va faire beaucoup de dégâts. Le rush derrière, Sasuke, et voilà on invoque Gradubid. Madara qui va entrer en jeu. Madara qui a fait beaucoup de dégâts hein, dès le début. Et voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir des deux équipes. C'est de la cohésion. Oh là 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 là, les dégâts sont énormes. Et voilà, on change directement. Yugi qui a encerclé Naruto. Naruto qui revient voir Yugi avec un Rasengan qui va toucher en pleine face. Le magicien des ténèbres. Et voilà, on a redroit au remake du deuxième round avec Sasuke et Yugi. Yugi qui bloque le Chidori et qui contre-attaque avec le magicien des ténèbres. Le magicien des ténèbres qui va mettre beaucoup de dégâts. Jotaro qui revient dedans. On envoie Jotaro directement en contre avec Madara. En contre avec Madara, mais est-ce que c'est vraiment un contre, mesdames et messieurs? C'est ça la question. Joe qui va participer au combat contre Madara. Mouda, 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 Mouda. C'est incroyable. L'UFC Jojo qui nous montre son teamplay au maximum. Et voilà, directement en parlant de teamplay, il ramène encore Yugi Moto. Il change énormément. Il change énormément. C'est l'une des équipes qui change le plus de combattants. Et ça paye. Yugi, c'est incroyable. Yugi, c'est trop. Et on a vu Jotaro qui a participé aussi. Oh, attention à Madara qui commence à s'énerver, mesdames et messieurs. Madara n'a pas dit son dernier mot, il veut manger tous ses collègues. Il veut montrer tellement wow, ce show. Les dégâts sont énormes. Yugi qui est encore quand même en bonne forme. Yugi, non. Encore une fois. Encore. Oh, vas-y frère, vas-y. Ça fait beaucoup là, non? Oh, le résultat qu'on s'est dit, ça va être quelque chose. Ça. Slipper, c'est terminé. Yugi qui vient réduire à néant les rêves du FC Naruto. Yugi, il ne peut que pleurer. Yugi, on peut le dire, MVP. MVP. Le pouvoir d'amitié n'a servi à rien ici. Encore une fois. N'a pas triomphé. Encore une fois. Il avait les cartes en main pour gagner ce combat. Bien vu. On se demande si c'est le FC Jojo ou le FC Yugi là. Hein. C'est n'importe quoi. Ah ouais. Yugi qui est venu dire les choses, carte sur table. Alors, on peut dire que Slipper, il le sait quand il voulait, hein. Il avait à la carte. Ah frère, vas-y. Et ce qui est bien, c'est la confiance entre le FC Jojo et le FC Yu-Gi-Oh. Ah, exactement. Yugi hein, qui avait carte blanche. Oh putain. Excellent. On va aller voir les réactions directement sur l'hashtag SenjuFight. On va aller voir les tweets. T'es sensationnel là. Oh là là, incroyable. Continue de tweet sur l'hashtag SenjuFight. On s'est trouvé les bons contenus à vous montrer. Ça sera peut-être de vous faire gagner des figurines, hein. Pourquoi pas. Bécog. Un jour. Oh, tu es ma gueule. Peut-être non, pas forcément que tu fais coq 11, hein, bien sûr. Hein, gagnant des Highlands de nouilles à Konoha, moi je crois. Et on nous dit de... voilà la réaction de Slipper, on a pu l'avoir en interview après le combat. Oh, tu es ma gueule. Oh, t'as baisé avec tout ça. Ah, Slipper qui a beaucoup donné hein, dans ce combat.
Ah, on a eu l'entrée de Madara aussi en scène, illustrée par un tweet de la part d'un ami qui s'appelle Gourou. Oh, le lecteur Twitter, on a quelques problèmes techniques. Aussi obsolète que cette équipe. On en occupe, on en occupe. Il y a un seul problème dans l'équipe. Madara avant d'entrer en jeu à chaque fois. Il est incroyable celui-là. C'est une dédicace à tous nos amis d'Haïti. Nesso. Oh putain, c'est pas grave. En tout cas, si votre manga a perdu ce soir, c'est pas grave parce qu'on se marre bien. On se marre bien. C'est le principal, hein. En tout cas, on peut dire qu'on aura une finale de forceur, le Final Flash contre Sniffer. Pourquoi des forceurs alors qu'on pourrait plutôt souligner la bah, non, c'est ça, cet aspect c'est ça. Exactement. On a beaucoup utilisé la technique, c'est ça. Ça fait partie des combats, mesdames et messieurs. Un dernier juste pour la route. Et voilà, l'équipe du FC Naruto après le combat. Voilà. On peut démarrer cette finale, mesdames et messieurs. Grande finale, qui va opposer... Merci à nos artistes. Hein, qui sont... Vraiment excellent, de très bonnes représentations. Ah, je chiale. N'hésitez pas à nous envoyer vos meilleurs fanarts hein, après ce Senju Fight avec les moments marquants. Exactement. Je suis pas fou, c'est l'heure de la grande finale, là. Ils seront ils seront passés dans le prochain pré-live. La grande finale, les amis, mesdames et messieurs. Dragon Ball contre le FC Yugi, FC Sliffer. Ah, est-ce qu'on peut vraiment parler du FC Jojo après ce qu'a fait Yugi dans le dernier combat? Mais on a vu quand même... Je pense pas. Après, ils ont pas mal joué non plus. Et ils ont été très importants lors du premier combat. C'est juste que là, Yugi a beaucoup donné. Donc là, on va attendre du FC Jojo de step up, en fait. Là, on relie un peu trop sur Yugi. Et du côté de Dragon Ball, est-ce qu'on peut vraiment parler du FC... Est-ce qu'on peut parler d'un FC Vegeta? FC Final Flash, frère, c'est tout. Prenez vos paris, mesdames et messieurs. Prenez vos paris. Freezer, inutile, déception. Ah, Freezer qui arrive à arrive en finale comme un troisième gardien dans une équipe de foot en finale de Coupe du Monde. Il n'a rien fait et il est là. Est-ce que ce serait le facteur X de cette équipe et qui serait pas est-ce que ce serait pas la petite perle rare, la botte secrète de cette équipe pour la finale? On va voir, on espère. Ils l'ont peut-être préservé exprès pour ça, j'espère pour eux. Et du côté de Jojo, va falloir laisser respirer Sliffer, Miskin. Miskin, ouais, il est fatigué. Sliffer qui a plus de souffle, il a plus rien. La carte Sliffer qui est devenue tout abîmée. Que de la rentrée. Elle est PSA 3, frère. Ah là là. Voilà. Petite interlude et ça va partir, les amis. Pour le dernier fight. C'est parti. Ça finit dans l'arène DBZ? Bah pourquoi pas. Ah mais attention, on a un changement de format, mesdames et messieurs. Hein, ça passe en 5 manches. 5 manches. C'est en 5 manches. Oh, mon confirme. DBZ vaincra. Et qui va l'emporter, les amis? Qui va l'en putain de thé? L'emporter. Non, il manquait le or, wesh. Ouais, il manquait le porc. Ah putain. Qui va lenter, les gars? C'est parti. Excusez-moi, je veux pas. Pas de problème. Je suis fatigué là, il se fait tard. Hein. C'est vrai qu'il se fait tard. Ça nous a pris beaucoup de temps à préparer, beaucoup de fatigue, mais. Alors, en même temps, est-ce qu'on n'est pas heureux d'avoir un tel spectacle? C'est ça que j'ai envie de vous dire, moi. Pas tous les jours, hein, des combats pareils. Hein. Ça, c'est des vraies guerres d'anime. Ça, c'est des vraies guerres. Et non, ce combat aura lieu au Japon, mesdames et messieurs. On va pas favoriser... Exactement. Ouh. Avec ses Sakura. Tomo. C'est parti, mesdames et messieurs. La finale peut enfin démarrer. Qui va être le grand gagnant de ce premier Senju Fight? N'hésitez pas à réagir directement sur le hashtag Senju Fight. Troisième des tendances. C'est un BO5, mesdames et messieurs. Il peut y avoir des retournements de situation. En veux-tu, en voilà.
On envoie Goku dès le début. Je peux déjà prédire que je vais te battre rien qu'en te regardant. Je ne serai pas si détenu à ta place. Je t'ai dit que j'allais me battre. Et je suis un homme de parole. Ah, détendu, c'était sûr. Chérie, il nous a fait un Alexandra, le mec. Je te jure, frère, c'est je te jure. Eh bah, allez, c'est un Alexandra. Et ça démarre très fort, mesdames et messieurs. Jotaro, voilà, 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 l'enchaînement sur Goku. Goku qui ne l'avait pas vu venir et qui prend énormément de dégâts directement. Le coup de pied, Jotaro, oh là là, Jotaro qui a l'air d'avoir pris les choses en main. Goku qui démarre très très mal cette finale de Senju Fight, mon rappel, c'est dans 5 rounds. Et voilà, et voilà. Goku qui va répliquer. Oh là 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 là, mais Jotaro, quelle entrée en matière, quelle entrée en matière. Et voilà, directement, c'est ça leur force, c'est la cohésion d'équipe. Et c'est Joe qui rentre directement. Oh, et voilà, directement, et la superstar de cette équipe. Les deux superstars, mesdames et messieurs, les deux harceleurs. Est-ce qu'on n'aurait pas eu un combat de spammer? Et voilà, Vegeta qui reprend ses habitudes. La distance. Et le facteur X, il va rentrer, Vegeta. Vegeta qui envoie sa technique avant de partir. Les disques tourbillonnants qui vont venir toucher Yugi. Oui, 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 on envoie Goku directement. Les disques qui étaient là, oh là là là, quelle cohésion. Ça a été travaillé à l'entraînement, ils l'ont gardé, ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé pour la finale. Quelle équipe. Et voilà directement. On me dit que la carte vient de passer PSA 2. On dirait. Allez, lui, c'est trop là. Slipper le dragon qui va mettre énormément de dégâts sur Vegeta. Oh là là. La réplique directement. Mais ça a été contré par la carte des 3 épées célestes qui va venir bloquer Vegeta. C'est très très bien joué de la part de Yuki qui a peut-être analysé le style de combat de Vegeta depuis le début. Et on crée la distance, on crée la distance. Vegeta qui essaie de rush. Les épées qui vont partir, les épées qui vont partir. Les épées qui partent. Le magicien des ténèbres, Yugi qui va jouer. Yugi qui va jouer au corps à corps. Vegeta qui passe dans son dos. Yugi contre Vegeta. Yugi qui a été arrêté net par le magicien des ténèbres. Le rush de la part des deux, et c'est Vegeta, je pense, qu'il va l'emporter dans ce premier round. Waouh! Quel fight! Quel combat! Quelle victoire de la team DBZ! Attention, on le rappelle, il faudra 3 rounds. Il faudra 3 rounds pour l'emporter, et Vegeta qui commence directement. 1-0. Oh là là! Voilà, on a tout, son atout, oui. Est-ce que la carte va tenir jusqu'à la fin du Senju Fight? C'est ça la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'elle ne peut pas s'auto-détruire? Et attention, et voilà, on réplique directement. Chacun son tour. Il a raison d'utiliser. Et voilà, les épées qui sont envoyées pour contrer Vegeta. À partir du moment où il se met à spam, il se fait rush par les épées. Voilà, on l'empêche de charger son ki. Magicien des ténèbres qui fait très très bonne défense. Mais là, Vegeta qui arrive encore à trouver la faille, mesdames et messieurs. Le Big Bang attaque, l'enchaînement de Vegeta. Attention, et ça serait pas encore Slipper le dragon du ciel. J'ai pensé qu'il allait utiliser une autre carte, mais c'est encore Slipper. Bien sûr. Cet homme nous dégoûte. Cet homme me dégoûte. Attention, le. Canon garlic. Ah merde, j'ai le garlic. Attention, les esquives de Vegeta. Vegeta qui domine quand même. Est-ce qu'on devrait pas refaire venir Jotaro? Jotaro qui a fait un très bon début de combat. Ah, franchement, Yugi qui est très égoïste. Vegeta est dans un combat. Ouais, oh là 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 là. C'est plus un 1v1 qu'un 3v3. Mais attention, Yugi, l'enchaînement est parfait. Et il fait ça avec très très peu de points de vie. Le Final Flash ne touche pas, mesdames et messieurs. Il ne touche pas Yugi. Ah si, il le touche. Aïe. 2-0. Peut-être le dernier round. Est-ce qu'on peut avoir un retournement de situation, mesdames et messieurs? Yugi. Le sang de folie. Oh là là, Yugi. Encore la même carte, encore et toujours. Il manque de surprise, ce joueur. Et c'est esquivé. Vegeta qui attaque dans le dos directement. Slipper qui n'arrive plus à trouver la faille. Oh là 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 là, Vegeta, l'enchaînement est très très beau, c'est du parfait, c'est du perfect là. Vegeta qui enchaîne. Le prince des Saiyans qui va être contré directement par les flèches des ténèbres. Le magicien des ténèbres aussi qui est invoqué directement. Et c'est Freezer qui va entrer en matière. Qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter? Pour l'instant, pas grand chose. S'il utilise un laser qui met pas mal de dégâts, mais derrière il réplique Yugi.
Yugi, Sangoku qui a invoqué Yugi, qui ne veut toujours pas changer. L'équipe de Jotaro qui a mal aux jambes, on me dit. Le Genkidama, il va falloir se protéger parce que ça, si ça touche. Ça touche, mais ça va, ça n'a pas touché pleinement. Ah si. Hors de ma vue. Eh ouais, Sliver. Attention les amis, une finale qui... Est-ce qu'il va jouer ? Est-ce qu'il va lui faire l'attaque foudre, la frappe du tonnerre, qui va toucher ? C'est Sangoku qui va prendre beaucoup de dégâts. Est-ce qu'ils peuvent revenir ? On a déjà vu Yugi faire des retournements de situation exceptionnels. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Non, 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 le magicien des ténèbres qui est très très bien utilisé. À bon escient, les flèches qui vont venir taper Sangoku. Attention ! Oh là là, Yugi Moto ! Alors peut-être, Yugi, mesdames et messieurs ! Yugi Moto qui roule sur son adversaire. Yugi Moto qui donne une leçon à Goku. Le Genkidama encore. Il a beaucoup d'énergie pour en sortir deux simultanément. Ça n'a pas touché, je crois. Ah, ça n'a pas touché, malheureusement. Ça n'a pas touché pleinement. Et Sangoku qui prend beaucoup de dégâts des épées divines. Il dit qu'il ne veut pas laisser sa place. Il a envie de prouver. Et voilà, directement, Jotaro qui va revenir. On l'a préservé, c'était peut-être une stratégie de le garder pour le dernier round. Jotaro qui va se battre contre Goku. Goku qui est un peu amoché quand même. Jotaro, duo Jotaro qui a pas envie de se battre, hein, j'ai l'impression. L'arrêt du temps. Muda, futile, pathétique, crétin, lui dit-il. Les dégâts sont énormes et peut-être un comeback du FC Jojo. Ça serait exceptionnel d'avoir un 2-2. Le Kamehameha qui va faire mouche directement sur Joe. Joe qui arrête le temps, malheureusement ça ne suffira pas. Oh là 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 là, les dégâts sont énormes. Est-ce que ça va toucher? Ça va toucher mesdames et messieurs. Prend pas beaucoup de dégâts, j'ai l'impression quand même. Ah si, voilà, c'est l'explosion. Les dégâts sont énormes. Encore un. Troisième Genkidama pour Goku. Le peuple n'a plus de pouvoir. Il s'est servi de toutes les planètes là, il n'y a plus d'énergie dans toutes. On a plus de. Harry, laisse-nous. Le Kamehameha. Attention, ça va bientôt être la fin peut-être. Le FCDBZ, et voilà, on rappelle le héros Yugi qui peut peut-être faire la différence. S'il arrive à remporter ce round, ça peut être primordial, ça peut être exceptionnel. Attention Yugi, plus qu'un coup Yugi, tu dois te défendre, les dégâts sont énormes sur Goku. Les dégâts sont énormes, s'il y a Sliver, ça peut terminer le round. S'il y a Sliver. Mesdames et messieurs, c'est terminé. Le FCDBZ l'emporte, mesdames et messieurs. Enterrer tous les autres animés. Et oui, quel tournoi. Le paternel, le mentor, le Michael Jordan des animés. Exactement. Le Zinedine Zidane de tous les animés l'emporte et sans trop de difficultés, 3-1 en finale. Mais qui va pouvoir les tester? Qui? On le rappelle, premier round, en plus ils ont pas eu un arbre facile, hein. Premier round, ils ont dû aller chercher le FC One Piece, ils les ont démembrés. C'était une partie de plaisir, on le rappelle. Deuxième round, ils ont dû affronter le FC à l'époque, ils les ont 2-0, mesdames et messieurs, ouais, 2-0. Hein, 2-0, alors que le FC à l'époque, c'était un grand concurrent pour la finale de ce tournoi. Et le troisième round, ils arrivent à aller écrabouiller la racaille Jojo. Le FC DBZ, rien à dire. Au-dessus du tournoi, MVP du tournoi pour vous les amis, pour moi, je ne peux qu'élire Vegeta. Sans nul doute Vegeta, il n'a pas aimé les insultes. Vegeta, le mangeur de loubia a gagné, je tiens à le dire. Oui. Comme quoi, manger de la des avant les matchs. Exactement. Vegeta. Tout ce que tu veux. Et il a tout mangé, Demhajib, tout, il s'est régalé avant le tournoi. Il nous l'a dit, hein. L'important avant un combat, c'est de bien se nourrir, c'est ce qu'il nous a dit en interview. Et c'était exceptionnel. On va aller voir quelques réactions. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag Freezer. Freezer a gagné quand même. Hein. Freezer a gagné. Freezer a mérité. T'as vu le triple enchaînement, ça se trouve. Freezer était là pour c'est vrai qu'on a eu beaucoup. On a eu des attaques. Je peux expliquer. Freezer était plutôt là en mode assistant avec ses disques. Il supportait son équipe. Il a mis un disque des trois combats. Non, mais le disque, on a vu. C'est une combinaison que vous avez travaillé à l'entraînement, ça, Zongo? Effectivement, les disques sont vraiment très importants. Les disques, enchaîner du Kamehameha, enchaîner avec Vegeta qui envoie un rush directement au corps à corps. On ne sait plus où donner de la tête en fait, parce qu'il y a un disque qui arrive derrière. Du coup, on peut plus trop se protéger. Ah, c'est exceptionnel.
C'est vraiment compliqué à sortir, mais quand ça passe, c'est incroyable. Quand ça passe, c'est incroyable. Plus encore, Yugi qui a eu beaucoup d'approbation au début de ce tournoi, qui a fini par être énormément détesté par toute la communauté de Senju Fight, j'ai l'impression. Exactement, exactement. Alors qu'il s'est énormément donné. Il a fait du mieux qu'il a pu, Yugi. Franchement, on peut le dire, sans lui, cette équipe Jojo, je sais pas ce elle serait partie en finale. Pas frère. Il a essoufflé son Slifer. Ah, hein. Slifer, je peux te dire que là, il a besoin d'un bon mois de vacances, là, Slifer. Parce qu'il est revenu, il est revenu. Et on sait aussi que sur la planète Terre de l'univers 7, il n'y a plus trop d'énergie non plus, là. Tout le monde est en train de dormir. Ah, frère. Goku a un peu abusé des humains, là. C'était un peu compliqué, un Genki-Dama. On donne de l'énergie. On se dit que c'est terminé, que la Terre va gagner. Non, 30 minutes plus tard, il faut relever les mains. Puis ensuite, on se dit que c'est terminé, c'est bon, Harry, il n'y a plus rien. Et il nous redemande de l'énergie. Oh. Oh. Tout ça pour rater ces deux Genki-Dama. Ah ouais, pour envoyer des Genki-Dama. Bon, après, comme à son habitude, il apporte la victoire. Pour tout le sucre qu'ils ont donné. Il faut que le peuple a un message pour Son Goku. Ah ouais. Ah ouais. Mais j'ai envoyé des... Peur, tiens. Autre chose, hein, notre reporter sur place, hein, Bot KZ, qui fait partie du membre du Senju Fight, qui a dit il y a une heure « Je suis dégoûté, sa grand-mère, le FCDBZ va manger ce soir. » Ça me dégoûte. Quelle analyse, encore une fois, de sa part, bravo. Faut souligner, hein, ce genre de performance. Allez, on voit des manifestations qui ont lieu dans l'univers 7. Des manifs qui ont lieu envers Goku. On veut opposer de la résistance. Le peuple en grève après le 42e Genki-Dama de Goku, nous dit-on. Ah ouais, l'univers 7 qui se plaint, hein. L'univers 7 qui a tout donné, mais au final, ils arrivent à prendre la victoire. On va aller voir les réactions dans le hashtag Senju Fight. Ah, la plus grosse déception de ce Senju Fight, ça restera la Team Bleach. Hein. Ichigo qui n'en a fait... Il y avait gros potentiel. Hein. Ah non, franchement, la Team One Piece, c'est une belle déception quand même. Hein. Mais va te faire foutre, à un moment donné, va te faire foutre. Non, c'est vrai que la Team One Piece, on les attendait un peu plus haut. On les attendait un peu plus haut. Ma plus grande déception, c'est que Yugi ait quand même réussi à porter deux personnages de Jojo en finale. Ça, ça me dégoûte. On est tous d'accord sur... Non, faut le dire que Vegeta, c'est un harceleur aussi. Ça, c'est Slifer, ça. Vegeta, tout ce qu'il fait, c'est poke. Et il attaque devant des gens qui... C'est faux, t'as bien vu son enchaînement. Si, il a fait que poke. On a une vidéo de Slifer, justement, après ce tournoi. Yugi qui essaye de le réveiller. Le camp. Wesh! Slifer un casse beaucoup! Slifer qui a beaucoup donné lors de ce combat. Je sais pas s'il va pouvoir ressortir de sitôt. Hein. Ah là là! En tout cas, grand merci à nos analystes qui sont venus de toutes les contrées pour participer à Senju Fight, nous apporter leur expertise et leur analyse dans tous ces combats. Merci à Côté, merci à Marwan Sama. De Grand Line, merci à Rally de Konoha, merci à Zongo de Mec et merci à Bibi aussi, Bibi qui était là pour vous enjailler dans le stade. C'était incroyable les gars. Quelle édition de ce Senju Fight. Merci aussi à nos équipes techniques. Je veux juste dire un truc, vous êtes des malades, voilà vous êtes fous. Voilà, vous êtes fous. Attends, on n'a pas fini frère, merci à toutes les équipes techniques. Sur des robots qui jouent entre eux, qui jouent... Voilà, bravo. Bravo. On veut la petite finale, il n'y aura pas de petite finale pour ce format. Mais là, c'est que le début, Bibi, bientôt au grand Rex. Tu sais. Non mais bien sûr, là, moi je vous le dis. Mon rêve, c'est qu'on fasse un Senju Fight, mais pas à la maison. Là, on sort du mode RP, mais un Senju Fight, Zama, t'es à OTP, genre. OMG. OMG, j'ai déjà préparé de taré avec un vrai truc d'analyse desk. Oh là 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 là. Tout le monde en cosplay. On va essayer de perdre du ventre avant d'y aller. Je pense que. Oh là là, des analyses de fight et tout, oh bordel. Incroyable. Je pense qu'il y a moyen là. Là, il y a la place. Je regarde ce qui se passe et je pense qu'il y a la place. Merci bien évidemment à Dave et Jojo qui nous ont fait ces magnifiques émotes, ce petit trailer et
et bah, les visuels tout au long du Senju Fight. Franchement, c'était incroyable. Franchement, c'était merci incroyable. Merci à vous, les gars. Salut, on était combien on est... ne serait rien sans vous. On était combien en tout? À plus de 23 000 hein, pour assister à ce combat d'anthologie. Ça n'a aucun sens. Troisième des tendances, mesdames et messieurs. Troisième des tendances. Carla Moreau. Quand même 5641 tweets. Je dis qu'on est des malades, mais je te jure que c'est... Carla Moreau qui est en tendance, car elle aurait soi-disant fait de la sorcellerie. Complètement en plus, je te jure que c'est pour ça qu'elle est en tendance. Hein. Je sais même pas c'est qui, wesh, mais viens, on parle du Senju Fight, wesh. Le numéro 2, frère. Mais on sait pas qui, frère. Une meuf, c'est Raito. Je suis devenu trop vieux moi pour ça. Salut Oslo. Salut Oslo. Ah, je vais te dire bonjour. Putain, regardez des bots, c'est pas des bots les gars. Notre ami Luffy de l'analyse, est-ce que tu penses que ton équipe peut revenir plus forte? Qu'est-ce alors qu'il a en fait, manqué? Qu'est-ce qui a pêché? Bien sûr. Tout est déjà écrit par Oda et c'est un foreshadowing pour le prochain Senju Fight. Je vous le dis, attendez le prochain Senju Fight, revenez. Gare à toi si tu refais ta pute. Non, regardez juste, c'était un foreshadowing, les amis. Ok, classique. Moi je vous le dis, attendez juste. Je pense clairement que... Un mot du gagnant, le FCDBZ de Zongo. One Piece, c'est moi de la face, la piraterie est finie, clairement. La piraterie est finie. Les termes sont durs, mesdames et messieurs, les termes sont durs. Le prince des Saiyens avec sa grosse calvasse, faut faire un tour en Turquie. On a vu la calvasse. Hein. Peut-être que c'est mes paroles qui l'ont énervé. Mais on a bien vu qu'il a pas porté ses couilles. Il n'allait pas au contact comme un putain de Saiyan. J'ai une petite info à vous donner, les amis. J'ai une PP DBZ et DBZ à gagner. Voilà, c'était. T'as une quoi? C'est pas un hasard, je pense. J'ai une PP DBZ et DBZ de l'enfant. Ah, ok. Ah, j'ai une PP. J'ai cru que t'avais un truc à faire gagner. Ouais, on va, et voilà, un dernier pour la route. On va, la carte de Slipper à la fin du tournoi. Oh, je suis mort, putain de merde, miskin, j'ai vraiment de la peine pour lui, frère. Slipper à la fin du tournoi, vote MVP, vous voulez un vote pour le MVP? Je pense qu'on est tous d'accord, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Vegeta, hein. Pour moi, Vegeta, le plus de dégâts, le plus de défense, le plus de clutch. Ah. En vrai. Yugi, il a autant swam que Vegeta et Yugi, il a fait plus de taf. Après, Yugi, il a fait d'autres trucs aussi. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Vegeta, il a fait que spam de loin, frère. Alors que pourtant, c'est un Saiyan et Saiyan, ils aiment trop se battre. Ouais, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il a gagné. Il a gagné. On peut faire un vote si vous voulez, mais ils ont gagné. Moi, le MVP doit être dans l'équipe gagnante. Ah, clairement. Ah, clairement, c'est logique. Votez. S'il y a un vote, normalement, c'est entre Goku. Après, bon, tranquille. Pour votre combattant favori. Ah, c'était incroyable. Rally, j'ai pas vu ton tweet. J'ai fait que des bangers aujourd'hui. Ah, incroyable. Quel concept. Ah, incroyable. Oh putain, y a tellement de mèmes sur ce hashtag, je vais y aller moi. C'est trop drôle. Ouais, c'est quelques vidéos. Et voilà. On a Freezer qui est parti célébrer chez lui après le tournoi. Ah, pendant le tournoi même, hein, pas après, pendant que Goku et Vegeta étaient en train de se battre. Freezer, on l'a vu. Je suis mort.
Au final, on rigole, mais il a gagné. Hein. Ah ouais, il a raison de célébrer. Ne repense qu'à Barbe Noire, qui est arrivé avec 3 grammes dans le sang. Il venait comme moi au bâton. Il avait une bouteille en eau, frère. Ça me Barbe Noire, il est venu juste pour boire, frère. C'est trop, wesh. Il a rien apporté, frère. Ah là là. Yugi a été élu MVP par le chat. Bien sûr, mais dans ce genre de compétition, le MVP, le vote du pire du tournoi. Ah, je pense qu'il y a Barbe Noire dedans. Ah, je pense que c'est Barbe Noire. Après, il y a deux personnages qu'on a jamais vus à cause de Ichigo. On peut mettre Ichigo. Ichigo, c'est mon pire ennemi. Ichigo, on peut le mettre. Ouais, mais égoïsme. Il a failli gagner. Gon aussi. Ah ouais, Gon, c'est trop aussi, Gon, ce qu'il a fait. Freezer, hein. Gon, c'était le premier combat, je pense qu'il était stressé. Ah, mais Gon, il a vraiment solo lose. All Might. All Might, c'est trop. Ah, putain. Toutes les vidéos critiques sur Senju Fight et incroyable. Les analyses de combat. Je te jure. Ah putain. Senju Fight. Le hashtag il est incroyable, frère. Tellement de pépites. Ça s'arrête jamais, frère. Ah putain. Là. La vidéo des bases, elle trop. Me fume tout le tronc, frère. Wesh. Bon, allez, j'arrête de regarder l'hashtag, sinon je vais jamais m'arrêter. Oh frère, c'est impossible de s'arrêter. À quand le Senju Fight numéro 3 Bah, c'est pas prévu, là, pour l'instant, faut attendre un peu. Ouais. Mais on fera ça bien, on fera il ça bien. Lui-même. On ira chercher des mods, etc. pour peut-être ajouter d'autres personnages. Mais ouais. Ce serait dingue. Oh putain. Ah non, le tweet qui dit il a 4 ans pour le All Might, je m'a fumé, voilà. Ça, c'est le meilleur tweet de l'histoire. Ah, je suis mort. J'ai 4 ans. C'est... Oh putain. Yugi qui se plaint que Vegeta fasse la même technique. Ah, c'est trop, wesh. Les rires. Les tweets sont trop drôles, wesh. Non, c'est trop, voilà. Ah non, la team Hunter x Hunter avec l'image de Shota, ça c'est trop. Ah, non. C'est trop, wesh. La vidéo du... Ah, c'est trop. Tu joues, il fait grave chaud. À quoi tu joues? Il fait grave chaud, tu vois pas la température. Non, mais là, vous êtes des ouf, les gars, sur le hashtag, c'est trop, wesh. Ah, putain. Il répète ça au moins 20 fois. Ils ont aimé ce gars, ils ont pas joué. C'est bon, normalement, les gens, ils ont compris. Mais pourquoi? De fou, quand même. Aizen, voilà, il avait pas mis ses crampons. Bon. J'arrive. Montre les tweets, ouais, mais des fois, il y a des trucs bizarres, donc. Ouais, c'est en gros. Obligé de ah, allez sur le vraiment. Hashtag Senju Fight, allez dans hashtag, le hashtag. Allez sur le hashtag, vous allez vous taper des barres. Putain. Vous avez kiffé, les frères? Truc de ouf! Incroyable! Et débile en plus! Je te jure! Oh, j'ai mal aux joues, frère, le hashtag il est tellement drôle! Je te jure, frère! Ça fait... Par contre, ça fait 2 Senju Fight que je finis à 100 points de chaîne, j'ai envie de canner! T'as 2 ans de ramen là, ma gueule. Hein. Attendez, j'ai pas annoncé le nouveau gagnant. Okay. Attention, qui va être le gagnant de ces 1 an de ramen disponible, bien entendu, dans le village Konoha. Et Shiraku. Le gagnant est. Attention. Maruhan Sama. Bravo, Maruhan Sama. Oh, la chance qu'il a. Bien joué à lui.
Bravo, félicitations. N'hésite pas à nous dire dans le chat si c'était bon. Bien sûr, tout est vérifié par un juge de justice. Bien joué à lui pour ses 1 an de ramen. Et les 1 an de ramen sont récupérables. Et qui a gagné la figurine côté? La figurine, c'est B-E. Ah non, F. R-E-E-S-H tiré du bas. Bravo, bravo. GG mec. Oublie pas, n'hésite pas à contacter Côté en DM pour avoir ta figurine. GG. De quoi? T'as fait gagner le ballon de Côté? Oui, c'est... Tu veux que je te dise le hâte du mec qui a gagné? Ah ouais. C'est B-E-F. Riche. C'est lui qui a gagné. Qui? BEF riche. BEF riche, ok. Bravo à lui. Merci. Bien joué à BEF riche. Qui a gagné sa figurine. Il peut me DM pour sa figurine à 1000 balles, hein, bien entendu. Soumer. Ouais, ma gueule. En vrai, pour le prochain, on fait gagner un truc. Allez, hein. Oh là là, de la dingue, vas-y. Vas-y. Jure, de la dingue. Le prochain, c'est une fight, on fait gagner une figurine. T'allez-vous. T'allez-vous. On va prendre ça, termine, voilà. Des IA qui s'affrontent. Ah, je suis fatigué. Le hashtag est incroyable. J'ai mal au ventre, carrément. Ah, les gens, ils sont trop drôles. Non, quand même. Ah, putain. FIFA, IA. Ah non, je pense que c'est... C'est réservé aux jeux de combat, frère. Faut pas être fou au bout d'un moment. Si un mec arrive à prédicter 100% du tableau de tournoi, lui, non. Après, vas-y, c'est dur à faire. On va gagner juste au hasard, frère. Je vais faire gagner au hasard, c'est tout. Voilà. Si Marex l'aile. Merci, mec, prédit 4 mois. J'ai tout perdu, Ichigo m'a tout pris. Après, Ichigo, il était à deux doigts de faire un truc de ouf, hein. Le Tazbot, c'est un bot. Oh, je sais pas ce que c'est. Putain, rallye, regarde. Merci, Bruzag, merci pour les enterrements. Injustice, on y a. Ok, le prochain sera dans. Le prochain il sera dans longtemps un peu, je pense. Hein. Ah, tu dois rigoler. Freezer qui remporte le Sanju Fight sans envoyer une attaque. Ah, c'est trop, wesh. Freezer, il y a eu 8 combats, il a envoyé 2 disques, c'est tout, frère. C'est celui-là que j'allais envoyer, Maru. Ah putain, je pleure, voilà. T'as vu Rally? Ouais, j'ai vu. C'est vraiment les mots de Twitch chez Pipo Gigel. Ah, je suis mort, ouais. Ah, je suis mort. Vas-y. Je vais rire, mais tu vas sur le hashtag Senjouf. Juste sur le hashtag et tu vas tout trouver, hein, tu vas rigoler comme lui. Tu vas être mort de rire, frère. Ok, voilà, c'est bon, c'est terminé. Hein. Non, je sais pas. Attends. OMG Mario Kart. Il a envoyé le bon tweet en plus. Non, je crois que je joue à Zelda et je vais dormir après. Dommage, je dois me réveiller tôt. SVP, laissez les émotes. Ah, ça faut négocier côté ça. Moi je vais juste finir sur Zelda au calme. Il y a pas plus de ça, on est tôt aujourd'hui. Hein? On peut pas avoir plus de slots, Maro. Mais t'as enlevé quoi? T'as enlevé quoi pour les émotes là? Ah non, mais non, ah, okay, on peut plus en fait. Okay. Ça sert à rien quoi. Oh, l'émote Kamel Senjou, elle est incroyable par contre. Hein. J'aime bien. Elle est incroyable. Elle passe trop bien. Ouais, c'est laquelle la Senjou? J'ai pas vu. Celle dans le chat là. Attends. Celle du présentateur. Ah. Elle est incroyable, voilà, elle est trop bien. J'ai Zelda, ouais, je vais finir sur Zelda au calme et. Et tranquille. C'est moi aussi, ça m'a fatigué là. Arrête, c'est parce qu'il y avait le truc, y avait le truc à 17h. Il y avait le truc à 17h. J'arrive. Vas-y les gars, c'était lourd. Hein.
Vas-y, à plus, le mec. À plus. Ciao, ciao. Bisous. Ciao. Salut.